Japonais. Ah! Ah, c'est vrai que cette scène-là, il vous la coupe. C'est nul! Voilà, c'est parti! J'attends plus que vous. Je suis même en avance par rapport à ce que j'avais annoncé. Même si c'est en retard par rapport à d'habitude. Voilà. On dirait pour le son, normalement j'ai pas changé grand chose, je mets bien loin le micro de la voix parce que j'ai bien remarqué que ça marchait pas. Il y a peut-être une petite voix de crève aussi en Q-train, faut pas s'étonner. C'est normal. Je vous laisse le temps d'arriver. Sans se spoil non plus. Non, tu veux pas voir ça. Je veux pas voir ça. Petit test habituel. Là, je vais changer le. Ah, il veut pas. Voilà. Faire petit clin d'œil. Ah oui, un souci, là, il me dit. Le chat me dit que j'ai deux messages dans mon chat, sauf que j'en vois qu'un. Ah! Le chat me dit qu'il me manque une info. Ah, ma catégorie, elle a sauté, quoi. Heureusement que je suis allée voir. Voilà, mettre à jour les infos. Ah, c'est chiant, ça! Ah, puis vous sauter la vidéo. Chiant, il y a la catégorie du jeu qui saute. Coucou Bench, comment ça va? Voilà, j'ai remis ma catégorie parce qu'elle a sauté, quoi. Là, c'est bon, elle est revenue. Au moins que les gens sachent ce qu'ils viennent voir, quoi. Normal. Ça va depuis jeudi déjà? Le temps passe vite. Tu t'es remis de tes émotions? Ouais, tranquille. Ah oui, on est tout seul, c'est vrai. Je sais plus. On va récapituler. Ouais, non, je l'ai mis la rediff de la dernière fois. Alors, qu'est-ce qui s'est donc passé? Je sais plus, moi. On était allé dans un donjon. Qu'on a tué un monstre. Mais pourquoi on était allé dans le donjon? Et la lame chasseresse avait pris le contrôle de la ville. Il y a un prince qui a été enlevé. Je sais plus du tout où je dois aller du coup. C'est génial. Bienvenue, que cherchez-vous? Ma route? La puce à l'oreille, synthèse. Oh purée, je sais pas ce que je vais faire. Suggestion de synthèse. Là, je suis obligée de remettre régulièrement ma catégorie, quoi. C'est chiant. Gladius, sage de guerre, nanana. Hydronomos? Ouh. Indique l'emplacement du temple sacré de l'eau. Incompréhensible. Ah, on peut même faire des trucs d'infos comme ça? Page de grimoire. Oh là là, je vais aller voir ça. Ah ouais, si on peut avoir des pages d'infos dans les dans la synthèse, c'est cool. Le bug est toujours pas passé. Ah, pourtant je le vois là. C'est peut-être en rafraîchissant. Ouais, c'est chiant si la catégorie. Ouais, t'as vu la catégorie, elle, sa fille, elle a toujours le problème quoi. Coucou Ryu. C'est chiant. Je peux faire des lunettes. RAB. Bah. Faut que je le fasse manuellement? Attends. Attends. Je peux rajouter ce que je veux ou pas? Parce qu'en fait, ce qui est bizarre, c'est que lui là, il me dit que dans ma synthèse, je peux faire le hydronomos. C'est-à-dire, c'est deux pages de grimoire, deux os de Tobissia et une feuille de filifolia. On est d'accord? Ok. Mais quand je vais. Parce que j'ai pas d'outil synthèse ici. Et quand je vais ici dans synthèse, je vais pas le retrouver, l'hydronomos. C'est bizarre. Non,
Non, je me suis pas du tout remise. En tout cas, moi j'étais en vraie galère, mais ça, vous, ça a l'air de vous avoir fait bien rire. Donc c'est ça qui me rassure. Ah, j'étais tellement désolée quand je voyais que ça se passait pas comme je voulais et tout. Oh là là. Enfin, personne n'aurait voulu que ça se passe comme ça en vrai. Horrible. Mais bon, je me suis dit que c'était mieux ça que d'annuler, quand même, malgré tout. Oh, c'est pas mal ça! S'équiper permet d'avoir 1,5 fois plus de gold. C'est pour la thune! Ah bah voilà, elle est là! Pourquoi je peux pas la faire? Il me manque quoi? Il me manque 2 pages de grimoire! Ah! Dommage! Indique l'emplacement du temple sacré de l'eau. Ah non, c'est peut-être juste une info comme ça. Ah ouais, c'est une arme. Ouais, ok, d'accord. Mouais. Attends, je peux faire des gelées d'orange moi-même. Et c'est parti, faut trouver la suite. Ouais, mais voilà, ce que je disais par rapport au live de jeudi, c'est qu'apparemment le format vous a plu quand même malgré tout. Le webcam jeu d'horreur. Et je sais que pour les 100 followers, Ishim prépare déjà quelque chose. De pas dégueu. Je crois qu'il fallait quitter la ville. Je crois qu'il fallait quitter la ville, ouais. Donc on va essayer de quitter la ville, on va voir ce que ça nous donne. Puisque nous sommes venus jusqu'ici, continuons à jeter un coup d'œil. Nous avons marché trop longtemps après tout. Ah, non, faut pas quitter la ville en fait. Non, mais sur une connerie, on a perdu trop de temps. Abusé quoi. Ah, c'est vrai qu'ici, les ouvriers, ils se mettent en PLS et tout. Ils font du travail de leurs mains pour la grandeur de pas eux en fait. De pas eux. Elle est belle la phrase. Voilà, c'est dimanche soir, hein, faut pas trop en vouloir. Hop là, je disais avec une petite crème, mais ça va pas nous empêcher. Donc, en gros, j'ai parlé à tout le monde. Ah, sauf à la demoiselle. QG des chevaliers. Non, mais QG, ça va rien m'apporter. Faut que j'aille voir Eustoluse. Je pense qu'il faut que j'aille dire au revoir à la princesse. Ah oui, lui, c'était le dominant. Je me rappelle. Dans l'histoire, il y a toujours eu deux sortes de gens. C'est vrai, les dominants et les dominés. Allez, ouverture. On commence comme ça. Donc ouais, je pense qu'il faut que j'aille fouiner à l'auberge pour Eustoluse. Allez, draguer la petite minette. Ça va le son sinon? Donc ouais, Ishim prépare déjà quand même un gros truc. Gros truc de prévu. Nous, les chevaliers, nous nous entraînons généralement du matin au soir. Pire, ici, si y a un problème, nous devons toujours être les premiers sur les lieux. Mais je vais te plaindre, va. Là-haut. La larmichette, quoi. Dame Estelis se repose. Oh, eh bien, j'imagine que je vais rester là. Non, mais... Bah, c'est toujours pas ça. C'était la fin du live de la dernière fois. Je voulais être sûre que vous l'ayez pas raté, hein, du coup. C'est vraiment parce que je suis sympa avec vous. Faut que je fasse quoi? Que je pionce? Bon, elle a pas envie de claquer 350 galdes. Mince. Faut peut-être que je retourne au QG. Ah, coucou Timo! Ça faisait longtemps. Qu'est-ce que je dois faire? Je veux partir d'ici. Bon, je vais retourner, je vais aller jusque dans la pièce principale. La dernière fois, on avait bien avancé dans le donjon. C'était pas si mal. Ok, c'est vide. Oh, et je sais pas du tout où je dois aller. Bah, je vais essayer de par l'autre sortie en vrai. Alors, pour info, hein, clairement, je fais les jeux pour la première fois quand je joue avec vous. Hein. Donc, faut pas s'étonner des fois qu'il y ait des petits morceaux, des petits moments un peu de battement. Hein. C'est pas drôle sinon. Ah purée! Il me renvoie. À qui je dois parler là? Lui. On arrête de se plaindre au travail, on a envie de devenir noble ou pas? Bah non. Elle! C'est le Blastien de la ville? Lui! Ok, il nous engueule. Lui! Pff, il se plaint. Mais y a qu'à lui alors.
As-tu remercié Dame Estelise et le prince Loder? Estelise et moi, nous ne nous disputons pas du tout. Je pense même que nous entendons très bien. C'est super, je m'en fous. Les forts ne gagnent pas, ce sont les vainqueurs qui sont forts. J'en ai marre de ce travail de l'arbre, hein, combien de fois, machin. Mais c'est fou, ça! Je suis bloqué dans une faille temporelle. Le port de Torim est à l'est depuis la sortie de l'autre côté. S'il vous faut un bateau, allez là-bas. Non, je veux juste la sortie, en vrai, quoi. Il ne faut pas parler d'idéaux, il faut incarner ces idéaux. C'est un homme célèbre qui a dit ça, mais j'ai oublié qui. Super. L'ironie. Non, mais c'est vrai, je vais faire quoi, moi, maintenant? Ah, il y a une route ici. Qui va nulle part, en fait. Donc, non, bah, fausse joie. L'autre côté. Non, pareil. Que dalle. Bah, tant pis, je vais claquer de la 350 galles et puis je vais dormir. Hein. Ça peut changer quelque chose. C'est fou, ça. Ah, putain, c'était ça. J'hallucine. Hé, je croyais que tu allais voir Estelise. Il semble qu'elle dorme déjà. Nous pourrons toujours discuter demain. Oui, bon, sinon, retournons dans nos chambres. Ah, c'était juste ça, en fait. Allez à la taverne. Pardon, déformation professionnelle. À l'auberge. Ouf. Qu'est-ce qu'il y a, Ripidi? Ripidi? Vous n'entendez pas un drôle de bruit? Maintenant que tu en parles, oui. Oh, on m'a dit que le blaster de la barrière se comportait étrangement depuis quelque temps. Enfin, une mission pour nous! Hé, hey, doucement! Je ne peux pas! Le commandant Alexei est là, n'est-ce pas? Il devrait pouvoir s'occuper de ça. Rita, si on te laisse partir seule, ça va recommencer comme sur la colline d'Emid. Emed. Eh bien, si tu veux, on pourrait au moins en avertir Flynn. Rallye à Carol, Rita, Ripidi. L'interrogatoire. Ouf. Et voilà. Ça, c'est vrai. Pour m'amuser à synthétiser pour les autres que j'ai dans l'équipe. Même si j'ai pas récupéré tout le monde. Lui, ça. Ok, je peux pas la faire. Il me manque quoi? Des grandes pinces. Ok, ça, je peux la faire. Ouais. Ça, c'est fait. Ok, ensuite. Ça, c'est bien. Ok. Ça, c'est pas pour eux. Ah, ah, je peux en faire qu'une. Tant pis pour les autres. Et ça, c'est quoi? Plastron. Côte rigide. Et je peux pas tout faire, hein. Cape de plume. Oh, les jolies choses. Robe de cocktail. Il reste des... Ok. Allez, c'est parti. Ensuite, j'optimise l'équipement. T'as pas d'autre chose à apprendre, toi? Non, ça a l'air. Ça a pas l'air. Toi, si âge de guerre change, il va falloir que je la reprenne. Non, c'est bon. Ici, fouet en cuir. Ben, on va remettre le fouet en cuir. Et toi? Oh oh! Voilà, ça c'est bon. Let's go! Ah oui, il fallait que j'aille parler à la princesse ou je sais pas quoi. Wouah! Elle l'a torché le cache! C'est-à-dire que toi, tu vas pouvoir commencer à le faire. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Toi qui attendais ça. Ah, c'est... Tchè, je me suis planté. J'ai pas voulu ressortir. C'est mon envie de visiter partout, ça. Objet. Objet. Filez-moi des objets. Chouette, mais sa chambre est vide, en vrai. Il y a des lits pour combien, là-dedans? Même pas la plante, elle m'a filé un objet. Bon, bah, ok, tant pis. Je fais ça pour rien. Bon, ça a été le week-end, sinon. Donc ça m'a fait rire ton message, Ryu, tout à l'heure, qui disait que tu jouais à Divinity. Il est trop bien, ce jeu. On retourne au QG le chevalier. Ah oui, non, c'est vrai que c'est Blastia qui déconne. Bah oui, évidemment. Rita, attends! Estelle!
J'ai appris que les chevaliers impériaux avaient fait des réparations sur Blastia ici. Tu défends les chevaliers impériaux pour une fois? S'il te plaît, Rita. D'accord. Tu as le droit de te promener comme ça? Oui, je peux rester avec vous jusqu'au moment où il faudra repartir pour Zafias? Ça ne me dérange pas. Nous, on a fait du cooking overcooked. On s'est bien marré. Ah, ça demande de la ressource, Divinity, parfois. Ah bah dans le week-end j'ai fait un petit peu de Monster Hunter juste de l'expédition histoire de chasser machin, enfin je veux dire pêcher et tout. Donc j'ai amélioré un petit peu l'équipement mais j'ai pas fait les missions normales. Je vous ai attendu comme prévu. On se fait ça jeudi. Pourquoi je vais par là? Pourquoi je essaye pas de me barrer? J'ai l'impression que c'était important de venir là en vrai. En fight, en fight. Bon, moi j'avais raison. Ouais. Les combats quand tu fais cramer des taches d'huile, que tu fais pleuvoir, que... Le 1 ou le 2? Le Blastia de barrière fait des bruits étranges. Tu crois que tout est en ordre? Tu es venu jusqu'ici parce que cela t'inquiétait? Comme toujours, Yuri, quand tu fais un problème, il faut que tu interviennes. Eh, ce n'est pas moi, c'est elle qui... Il est clair que ce Blastia ne fonctionne pas normalement. Laissez-moi y jeter un coup d'œil. Pourquoi t'as pas joué 3 mois? Comment ça se fait? Ce Blast a subi actuellement des réparations. Je regrette, mais je ne peux pas vous laisser l'examiner. Pourquoi? Ah, c'est ballot! Ça va exploser! C'était quoi cette vibration? Ne me dites pas que c'était Blastia. Il est peut-être arrivé quelque chose de Blastia. Baston! Baston! Dépêchons-nous. Votre Altesse, vous devez rester ici. Ouais, bah oui, on a tous des moments comme ça. Ça a explosé. Baston, baston. Mettez-moi des gros boss. T'as vu, j'ai pas peur sur ce genre de jeu. Ah, quand tu me mets sur un jeu d'horreur, je pète un câble. Rita, laisse-moi y aller, je ne peux pas le laisser comme ça. L'air se déverse de cette grosse chose. Il est si dense que tu peux tuer quelqu'un. Et toi? J'ai entendu Graou! Il y a eu un Graou! Bon sang, les Blastiens l'ont vraiment rendu folle! Elle y est allée, hein! C'est bon, je vais réajuster le volume de l'air, tout sera comme neuf! Bah, heureusement qu'elle est là en vrai! C'est trop dangereux, il faut partir! Oh non! Au début j'avais peur sur DBD, mais ça s'est calmé avec le temps! Ça va, le son c'est bien réglé? Non. Ah, il a dit qu'utiliser les civils hors de la ville et la princesse également. Oui, commandant. L'air est totalement contrôlable. Impossible de savoir ce qu'il va faire. Non, le flux d'air a dépassé sa capacité. Avec un tel débit, il est capable d'engloutir la ville, voire d'exploser. Et exploser, vous avez entendu ça? Tout le monde hors d'ici, vite! Bah oui, barrez-vous, à un moment donné. Rita! Pardon. Princesse? Votre Altesse! Du coup, Ryu, tu l'as regardé le live ou pas? Qu'est-ce qu'elle va faire? Rita, je suis là! Estelise? Elle va faire bouclier? Commandant? Là, c'est bon! Ah! Hop, c'est voilà, une princesse de moins! Bah, je te dis, Happy Tree Friends! La 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 la! Putain, elles sont encore vivantes toutes les deux! Rita, tiens bon! Ah, c'est là, Ryu, tu m'as dit que le jeu allait commencer à changer vraiment. Oh non! Le début, c'est pas le meilleur. Fou, je vous en prie, préparez une chambre pour Rita. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es aussi épuisé qu'elle. Faites préparer des chambres, sur le champ. Je vais l'emmener là-bas moi-même. Lui, c'était planqué encore. Carole, tu peux tenir vous? Ouais. Allez, on y va nous aussi.
T'es bien caché, toi, dis donc. Il fait un peu froid dans cette chambre, non? Y a pas de fenêtre? Entrez. Tu ne peux pas utiliser tes arts et soins sur elle indéfiniment, Estelle. Allez, laisse-la se reposer pour l'instant. Oui. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit allée faire une chose pareille. Oh, bench, level up! Eh, tu vas l'avoir, ton bench VIP, ça y est! Voici, une fois que Rita a décidé quelque chose, elle n'écoute plus personne. Tout le monde meurt au bout de 2 heures. Ils vont jouer avec des zombies après. Non, pas des zombies! Tu peux parler, tu étais presque en aussi piteux. Oh putain la vache, j'arrive pas à parler. Tu peux parler, tu étais presque en aussi piteux état qu'elle là. Je suis désolée, comme un assai. GG, je te l'installe juste après. Je vais rester ici, tu devrais aller te reposer. Tous ces artistes soins ne t'ont pas fatigué? Je suis envieuse de Rita. Avoir une chose à laquelle on tient autant. Bon, par contre, il n'y a pas encore de salon privé spécial VIP et tout. Tales of Walking Dead. Ah bah, ça existe, hein. Ces jeux-là, les Tales of quelque chose. Non, c'est Tales quelque chose. Je sais plus comment ça s'appelle précisément. Tu sais, les jeux Tales. Je sais plus comment ça s'appelle. Cela t'arrivera aussi si tu cherches assez longtemps. Mais pour l'instant, va dormir un peu. Non, ça va. Mais toi, tu devrais aller dormir, Yuri. Et si on allait dormir ensemble? Flynn sera furieux contre moi si tu perds connaissance. Alors, laisse-le se mettre en colère. Elle demande d'être punie. Ah, j'ai trop regardé 50 nuances. Écoute, ne viens pas me demander de prendre ta place quand tu t'effondreras d'épuisement. Je ne peux pas te demander de prendre ma place si je me suis déjà effondrée ici. Oh, le foutage de gueule. Ah, la sale gosse. Fille de Bourges. Je trouve ça tellement triste, cette phrase. Séparée de tous. Telltales, voilà. Ah, ça fait faillite, du coup. Bah, tiens, je savais pas. Ah, Carole qui est là. Tu dois me trouver totalement inutile. Oui. Après ce qui s'est passé quand on s'est rencontrés et Aker, Bokram, et aujourd'hui. Bah, il faut que je le crée, mais ça bug. Comme ça, on pourrait se parler, se retrouver dedans, quoi. Comme la dernière fois, on était en train de discuter avec Ben chez toi, et puis bah, ça a coupé le live, et du coup, on pouvait plus discuter, on était en train de partir parler, quoi. Je crois que tout le monde a perdu pied aujourd'hui. Pourquoi, ok, drôle. Et ouais, j'avais essayé de le créer, le salon VIP, et puis bah, ça me fait un truc bizarre sur le site. Des fois, il est un peu, space, hein, quand même. Hein. Non, mais ce sera McDo dans le salon VIP. Même le grand commandant était totalement dépassé. Il y a des tas de choses auxquelles même les adultes sont incapables de faire face. Même toi, Yuri? Vivement que j'ai une épée à lui fournir, hein. Ça fait tellement mieux. Oui, tu as raison, ce monde est assez dur. Là, tu viens de commencer à comprendre. Hé, hey, Yuri. Hein? Tu crois que tu accepterais de fonder une guilde avec moi? Ah, j'ai déjà une guilde, moi, si tu veux. Je t'invite, moi. Domac Coca-Lite. Ah, je dis Domac Bière, allez, au pire. Une guide, hein? Ouais, c'est une idée à creuser. Je vais y réfléchir. C'est vrai? Quoi, ça t'étonne? Je pensais que tu dirais un truc genre pas question, j'en ai déjà assez bavé comme ça. Tous les adultes ne pensent pas comme ça, tu sais. Oh, Berk. Quoi qu'il en soit, il est tard. Allons nous reposer et revenons voir comment elle va demain matin. Coca Zéro, bah. Ah oui, j'avoue. Réfléchissons à propos de la discussion sur la guilde. Et là, tu dis à Carole, tu connais Guild Wars 2? J'ai une guilde dedans. Viens dans ma guilde. Ah, Ribidi. Ok, lui, il en a rien à battre. Rien à taper. Nous devons encore attendre le rétablissement de Rita. Arrêtons-nous et reposons-nous ici pour aujourd'hui. Ah, oh, mais t'es pas drôle. C'est ballot, je bois pas de bière. Votre chambre a été réglée par les chevaliers. Bon séjour. Ok. Elle est où, ma chambre? Où quelle est la chambre? J'ai raté une partie de l'hôtel. Ah, j'ai peut-être raté une partie. Eh ben non. Non, non. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller dormir. Moi, pas comprendre. Ah bah, je peux pas me parler d'alcool. Hein. Entrez! Contente de te voir réveillée. Bah, je bois pas, alors ça va être compliqué.
Je lui ai pourtant dit et répété de m'appeler avant qu'elle ne s'effondre. Tu n'espérais pas qu'elle allait t'écouter, si? Oh. Et elle a l'air heureuse. Et alors, attendez, que pense Stelis de moi? Oh, j'aime bien ce petit bouille, elle me fait rire, Rita, j'aime bien. Pourquoi tu fais cette tête? Je ne m'attendais pas à ce que tu t'intéresses à ce que les gens pensent de toi. Pino. Laisse tomber, tu peux partir. Comparé à tes formules, elles doivent être assez faciles à comprendre. Oh, Rita, tu es réveillée. Ah, parce que voix, je ne comprends plus. Mais fais attention, c'est quand on se croit guéri qu'on est plus en danger. Eh, continue encore. C'est bon, je vais bien. Et tu n'as plus besoin de faire semblant d'utiliser ce Blastia. Semblant? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est assez cool d'être capable d'utiliser des artefacts de soins sans Blastia. Ah ouais? Ah ouais, elle est comme ça, elle. Mais comment as-tu... C'est un faux Blastia qu'elle a, elle. Pino McDo. Qu'est-ce que... Eh, c'est ce cinglé au dragon. Qu'est-ce qu'il est venu nous faire chier, lui? Oh, l'autre, elle est couchée sur Rita. Ouh. What the fuck? Oh non, on a eu du kidnapping. Rita, ça va? Ah non, elles sont là. Tu n'apprends donc jamais rien. On dirait que le ciel nous tombe sur la tête. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Ah! C'était quoi cette chose? Polo Popo, ça me fait penser. Cool, 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 stay, stay. Juste quand la conversation devenait intéressante. Assez parlé des artefacts de soins d'Estelle pour l'instant. Ouais, j'avoue, c'était intéressant ça. D'accord, j'ai assez bien compris la situation moi aussi. Ah, ça aurait fait change ce message-là. Ne me regardez pas comme ça, j'ai vraiment l'air d'un méchant à vos yeux. Oui. Et attendez, qu'est-ce qu'il y a alors? Racontez-moi. Bon, prends soin de toi sur le chemin de la capitale. D'ailleurs, faut que je tourne l'épisode suivant là, de Kingdom Hearts 1. Oui, je suis allée le voir, il est trop cool, il est sympa. Mais après, la partie, tout ce qui est comics, c'est plutôt mon copain qui m'y emmène. Moi, j'avais kiffé, c'était sur Batman vs Superman. Oh, Man of Steel et Batman vs Superman, je les ai trouvés géniaux. Tu as tout ce qu'il te faut, ce serait bête d'avoir à revenir. Si j'ai oublié quelque chose, tu me le rapporteras, n'est-ce pas, Yuri? Mon petit esclave. Ah ouais, d'accord. Bon, allons chercher Flynn, je vais t'accompagner jusque-là. Ah ouais? Bah, en même temps, je n'attendais pas grand-chose, alors... Qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Tu l'as trouvé trop brut? En même temps, Aquaman, apparemment, dans la BD, il est assez brut aussi. Hein. Ah, d'accord. C'est plutôt Marvel. Et donc, Man of Steel et... Ah, coucou Ishii, comment ça va? Man of Steel et Batman vs Superman, tu les as pas trouvé ouf? Je trouve qu'ils ont une profondeur, ces deux films-là. Ils sont géniaux, quoi. Bon sang, si je dois aller là-bas, ils vont tous se moquer de moi. Dangrest? C'est la ville des guildes, c'est ça? Ouais, je me suis dit qu'on pourrait en apprendre plus sur l'Alliance de Sang, là-bas. Ah, d'accord. Par contre, moi, j'ai pas été déçu par la fille qui a été choisie, là. Ça marchait bien avec lui. Pour jouer, comment elle s'appelle, Mira? Je sais plus son nom. Il faut suivre quelle direction d'ici? Eh bien, c'est à l'ouest, je crois. Mais alors, allons y faire un tour. Ça pourrait être utile à quelqu'un qui cherche à fonder une guilde. Ouais! Hein? Fonder une guilde? Eh bien, en route alors. Alors, je connais un jeu. Il s'appelle Guild Wars 2. Je le calais toute la soirée, tu sais. Dès que j'entends le mot guilde, ça va faire tilt. Est-ce que tout le monde est bien équipé? Est-ce que tout le monde a pris son sac? Oh, ça a l'air pas mal. Donc on se casse en fait. Il nous manque Estolise. Il nous manque pas un autre perso? Non, c'est juste Estolise. Ouais, c'est possible. Je dois confier Estelle à Flynn avant d'aller à... Ah ouais, voilà. Avant d'aller à Dawngrest. Ah, il faut qu'il passe de main en main la princesse, quoi.
Ah ouais, j'ai bien aimé. Hein. Superman et Batman. Ah oui, c'est elle, ouais. Ah mais d'habitude dans les films, je la trouve complètement insipide, mais là je trouvais que ça collait bien. Bah après, oui, je sais, elle a divorcé de Johnny Depp, on sait pas ce qui s'est passé entre eux, c'est ça le problème. Mais t'es vachement gossip, toi! Ouais. Mais non, mais le nouveau de talent de demain, c'est vous! Je l'ai déjà! C'est juste que plus on est de fous, plus on rit. Putain, je me suis trompée d'endroit! Fallait que j'aille au QG des chevaliers. Je suis désolée! Ah, ils sont pas simples quand ils donnent pas, ils guident pas et tout. Je fais un incroyable talent sur Guild Wars 2. Si tu aimes te prendre des poutres au JCJ, rejoins-nous. QG, QG. Alors eux, ils ont pas peur, le machin, il vient d'exploser quasiment, mais ils sont là. On dirait que ce Flynn n'est pas là. Est-ce que ça veut dire que tu vas rester avec nous pour l'instant? Eh bien, est-ce que ce serait correct? Carole, ne donne pas d'idée à la princesse. Vous ne pouvez pas faire comme vous, on vous semble. Votre adresse doit regagner la capitale. Regagner. Nous, on a fait des rondins de bois ancestraux. Des planches de la poutre. Flynn est déjà parti régler d'autres problèmes. Bien, Rita Mordio, nous aimerions que vous enquêtiez sur le dysfonctionnement du Blastia hier. C'est inutile, je suis allée le voir ce matin, mais je n'ai rien découvert. Non, nous aimerions vous demander de vous rendre dans la forêt de Cave Mock. T'as mis les noms de ces endroits, là. Clap, clap. Ah, on a pris des piles, hein, des pilules la dernière fois. Quoique la dernière était pas si mal. Hein. 480-500, c'était cool. On avait bien géré, on était restés groupés et tout. Cave Mock, hein. Ah oui, les plantes touchées par le désastre ici ressemblent à celles de cette forêt. Eh, faudra m'expliquer pourquoi je vois deux spectateurs qui apparaissent, sachant qu'on est Bench, Ryu, Ishii. Rien que ça, on est trois. C'est trop bizarre. Oh, bien joué. T'as fait tes côtés en JCJ aujourd'hui? Ah, on nous signale des mutations végétales et un accroissement du nombre et de l'agressivité des monstres. Des monstres, des monstres. Des estafettes sont partis pour la capitale, mais il faudra du temps pour trouver un mage compétent. Je suis spécialisée dans les Blastia, les plantes ce n'est pas mon domaine. Songez à leur lien avec l'air, j'imagine que c'est ça, c'est votre domaine. En outre, si Estelle regagne la capitale, je veux rentrer avec elle. Ah ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu comptes pas en spectateur, c'est abusé. C'est trop, ils disent que les modos ça compte pas et tout. Vous êtes chercheuse dans un laboratoire impérial, vous devez accepter les tâches qu'on vous confie. Dans ce cas, ça ne doit pas poser problème que je l'accompagne dans la forêt, n'est-ce pas? GG! Princesse, je vous en prie, n'émettez pas de suggestions qui sont tout simplement hors de question. T'as vu, t'as le droit au parapente maintenant et à la monture, vu que t'as pris Pass of Fire? S'il existe un lien clair, mes sorties de soins seraient utiles. Oui, en effet. Je vous en prie, Alexei, laissez-moi apporter mon aide. Votre Altesse, je ne peux pas vous laisser vous rendre dans une forêt aussi dangereuse. Monsieur. Eh bien, et si... Yuri, tu nous accompagnerais? Mais oui, on le sait tous qu'on va partir tous ensemble, allez! Prends tes bagages! Si Yuri venait, vous n'auriez pas à vous inquiéter, n'est-ce pas? Comment ça, les photos, ça compte pas? Bah j'en sais rien, tu trouveras ça bizarre quand même. Ou c'est peut-être Bench qu'on a perdu. Jeune homme, je vous prie d'escorter la princesse. Bah regarde le pic à 5, je comprends rien. Oui déjà que tu peux pas... T'es modo, tu peux pas être VIP en plus. Je vous demande que parce que vous avez à une époque cherché à vous joindre aux chevaliers impériaux. Mais c'est quoi cette histoire? Je n'ai demandé à personne de compter sur moi, on me force la main là. Je pense que je peux considérer cette réponse comme un assentiment. Mais oui, mais prenez vos bagages, on y va, merde! Mais j'ai aussi des choses à faire, nous rejoindrons la forêt après être allés à Dungrest. Très bien. Ah, puis il accepte, bah c'est cool ça. Il est pas chiant. Votre Excellence, il semble que Flynn ait prévu cette issue. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé ce message pour vous, prenez bien soin de son Altesse. Bah c'est évident, hein. La princesse elle veut pas rentrer. Très bien, alors direction la forêt de Cave Mock via Dungrest. C'est parti! Enfin! J'en ai marre de cette ville, il pleut, il fait moche. J'ai un travail à vous confier. Il me regarde là ou quoi? Ah non, d'accord. Je croyais qu'il me parlait directement.
Estoluse a rejoint le groupe. Yatta! Ah putain! Pardon!話の分かる人でよかったね。私ももっと頭の固い生き姿のやつかと思ってたわ。ユリは面識があったんです。俺の方からは知ってたけど、向こうはこっちを知らなかったんじゃねえか。騎士団にいた時期なんてすごく短かったんだからな。どういう人なの、あの人。厳しいところはあります。でも帝国騎士の鏡のような人です。彼に憧れて騎士になる方も多いとか。 Alors pour une fois, enfin pour info du coup ce soir je vais finir à 11h30 et après j'irai donner le badge VIP à Bench pour la prochaine soirée. T'es monté super vite hein, depuis que tu follow la chaîne et tout, c'est super sympa. On a dit à l'ouest c'est ça? Ouest. Paye ta boussole. Non. Ok. Non, moi je veux des gros monstres, moi je veux pas des petits monstres à la con. Putain, je suis avec Ça veut dire que j'ai déjà visité eux. Ouais, pardon. C'est vrai que je me retrouve avec Avec la hache. Il est quand même moins classe avec, avec une hache. Aïe! Aïe! Tac tac tac. Bah, après, normalement, on devrait pas avoir peur de ce machin là. Ah moi j'aime bien les attaques spéciales mais on n'a jamais l'occasion de les faire. Hein. Ah non franchement t'as pas raté de live et tout, c'est ouf. Hein. J'ai failli t'envoyer un message hier. Bon courage, c'est ta dernière hier soir. T'sais. Non c'est vendredi soir que je vais t'envoyer ça. Bon courage pour ta der. Mais genre Fred du Jurassic World. Hein. C'est prévu. Ah bah ça fait plaisir en tout cas. Et je préfère quand même la tenue que j'ai mis au final. Enfin aux deux même. Celles-ci sont moins sympas. Ah une plage. Vamos a la playa. Oh 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 oh. C'est pas grave, ça m'a fait du temps de visionnage du coup, même si t'es endormi. Je t'en voudrais pas. Aïe! Eh, mine de rien là, cette semaine, entre deux lives, j'ai eu. Je sais plus combien de followers. Deux, au moins 3, 3 followers supplémentaires. Donc c'est cool. On va y aller au 100. Hein. Puis si vous avez des amis qui aiment bien les streams, allez-y. Hein. Plus on est de fous, comme on dit. Qu'est-ce que je voulais faire? Je suis comment en objet d'ailleurs? Loupe magique, non, j'ai claqué le budget. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ah, ça c'est gros, j'aime bien. Pourquoi tu fais cette tête-là ici? C'est comme le. C'est quoi ce. T'as pas d'amis? C'est ça? T'es la pétasse. Ah ouais? Ah ouais? Aïe! On lui a pourri sa face, lui. Est-ce qu'on va pas être bloqué? Genre, est-ce que j'ai pris le bon chemin? J'ai un gros doute. Ah non, il y a une passerelle ici. Et je dis ça rigolo parce que je sais que c'est pas le cas, alors heureusement. Allez, bim, dans ta face! Moi je te pourris direct, allez, bim. Ah, je fais plus la maligne sur ce jeu-là, hein, forcément. Ah, oh. Une petite tempête là-bas, tout va bien. Et... des monstres que je connais pas, je crois. Mais oui, non mais... je comprends pas. Enfin, en même temps, en ce moment, j'utilise pas mal Twitter. Hein. Donc entre streamers et tout, on s'entraide pas mal. Hein. Donc ça, ça fait plaisir aussi. Aïe. Ça, entre petits streamers, comme on dit. C'est fragile à quoi, ça? Rien que dalle, d'accord. Donc tu peux tout lui mettre dans sa tronche, il s'en fout. Capacité apprise, esquive. Recule. Le changement de Rita. Ah,
Ah, est-ce qu'il y a une love story entre les deux filles? Ce serait cool, ça. Bah, y'en a, ils se détendent en regardant, hein. Est-ce que je les connais, eux? Non, je les connais pas. Sauterelle et Filia. Je commence par eux. Faiblesse au feu. Parfait. J'en veux d'autres, faiblesse au feu, moi, ça me fait délirer. J'aime bien leur mettre le fire. Sauterelle. Feu, pareil. Bingo. Parfait. Tiens, mange du feu. Aïe. Aïe. Tiens, meurs. Ah mais non, c'est pas ça, ça c'est nul ça. Ça c'est bien. Ah. Ah, je sais plus quel bouton c'est pour les grosses attaques. Je crois que c'était pas ma couleur. Tiens, toi, prends ça. Je crois que c'est vert ma couleur, moi. Bah eh bah plus c'est haut, plus c'est long, hein. Je sais pas trop comment le dire différemment. Plus tu montes et plus c'est long. Attends, elle, je les aime bien les taper. On va taper ça, j'aime bien. Pourquoi Johnny? Et qui, d'accord? Tu parles de qui? Yatta! T'as le l'autre, t'as voulu me croquer, là. Aïe! Tiens, Mime, retournez de hache dans ta face. Ils se font marcher dessus, les bestioles, là. Ah, je suis empoisonné, c'est dégueulasse. Ah. Récup. Voilà. Heureusement que j'ai le pouvoir, c'est bien. Ah oui. Allumer le feu. Ah ouais, t'es parti loin là. Allez, space cette ville. C'est pas la plus jolie qu'on ait vue. Je préférais Allure. Dans le tourisme. Voici Dangrest, ma ville natale. Ah, tout s'explique. Le repère des guildes d'Angrest. Dangrest, j'en sais rien. Je suis pas sûr qu'on aura grosse baston ce soir. Elle a l'air d'être assez animée. Eh bien, c'est la deuxième ville par la taille après la capitale. Elle est gérée entièrement par les guildes. Je m'attendais à quelque chose de plus gros que tu vois, genre repère de brigands. Ce n'est qu'un préjugé qu'ont la plupart des gens envers les guildes. Je suis certaine que c'est largement dû à la réputation douteuse de l'Alliance de Sang. Ouais, bon sang, Yuri, tu vas me faire passer pour un méchant. Si tu es un méchant, alors qu'est-ce qu'il est, lui Touché. Alors, comment allons-nous faire pour retrouver Barbos? Le meilleur moyen est probablement d'aller se renseigner à l'Union. L'Union, un collectif des guildes tenu par les 5 guildes dites maîtresses, c'est ça? Ouais, l'Union fait également office de conseil municipal. Mais oui, je sais. Oui, mais qu'est-ce que ça va donner? Barbos est membre de l'Alliance de Sang, une des 5 guildes maîtresses. Ce qui veut dire que si on s'en prend à lui, on s'en prend aussi à l'Union. On ne le saura qu'après avoir posé la question au Don. Le Don est le chef de l'Union, n'est-ce pas? Ouais, le meilleur Don qu'on a pu croiser, c'est celui de FF7. Quand il a fallu se déguiser en fille et tout, c'est génial. Ouais, Don Whitehorse, chef de l'Altosk, la plus puissante des 5 guildes maîtresses. Putain, ils sont durs à dire les noms. Ils sont pas sympas avec moi. D'accord, allons voir ce que le Don a à dire. Tu connais le chemin, pas vrai, Carole? Attends, ce n'est pas le genre de personne qu'on voit comme ça. Je n'ai pas si... S'il te plaît. Le quartier général de l'Union est dans la partie nord de la ville. Let's go. Si vous voyez un objet bizarre, c'est le mec de la cuisine. Il va nous donner une recette. Elle est habillée bizarrement, mais je pense pas que ce soit choquant. Ouais, c'est un marchand. Là, non, là, je peux pas passer. On va rentrer dans la boutique de toute manière. Marché de la fortune. GG Ishii, bah tu vois, tu réclamais un level up. On voilà. Guilde des géomètres. Ça, il nous en a parlé tout à l'heure. Le petit garçon qui s'y fait. Je peux pas rentrer là-dedans?
Bienvenue, voici le magasin numéro 1 du QG de la fortune. Du marché de la fortune, pardon. Alors, on va voir si j'ai des équipements à recréer. Ah! C'est pas mal ça! Faudrait que je l'équipe après. Oh! 43 la vache! Plus que 9 rangs et puis tu seras au 20. D'ailleurs, Ryu, t'es toujours pas passé premier toi? Depuis le temps? Si tu fais un petit rank pour voir. Ah! Fouet en chaîne! Désolé, mais c'est le jeu qui le dit. Voilà. Ah, c'est elle qui utilise les boucliers, d'accord. Ça, j'en découvre tous les jours. Après, c'est de la dope, je crois, en défense. Eh ben non. Ah, je pourrais pas en faire deux plastrons. Malheureusement. Wow. Purée. Et franchement, en synthèse, c'est cool. Hein. Y a pas mal de choses, quand même. Là, tu vois, pareil, cape de pluie. Une cape pour chien de pluie. Ah, t'es toujours deux. Oh là là. Non, désert, pas encore. Pourquoi? C'est pas sympa, ce qu'il y a là-bas. Franchement, on les a bien équipés, là. Hein. Mais par contre, je vais remettre quand même... voilà. Tant qu'ils n'ont pas fini, je remets toujours le... l'objet où il y a des choses à prendre. Voilà. Bon bah voilà, on a bien synthétisé, ça c'est plutôt cool. Et j'ai un tic de langage ce soir, c'est le oh bah voilà. Bah voilà. Ah bah voilà. Il y a une meuf qui est habillée comme Rita là-bas. Ma maman, c'est un membre de la guilde. Toi, t'es qui, toi? Oh, elle est belle, cette phrase. Oh, elle est belle. Ne traînez pas... Ah non, c'est pas celle-là que je voulais. Ah, il a dit... plus la lumière est vive et plus les ombres sont obscures. Ta ta ta. Oh. Franchement, elle était belle. Ça, c'est revenir à la carte. Ça, c'est où? C'est quoi? Stade culinaire. C'est une blague sur le nom du bistrot? Ah, d'accord. Est-ce que le nom du bistrot est une blague? Bistrot Trou Noir? Il se fout de la gueule de qui, là? Bistrot Trou Noir? T'as, j'ai même pas besoin de faire des blagues, le jeu, il le fait lui-même, quoi. C'est grand, en plus. C'est un grand trou noir. Pardon. Là, c'est une porte qui n'existe pas. C'est une voie sans issue. Bienvenue au stade culinaire Bistrot Trou Noir du bouquet de... Mais non, mais c'est une blague. C'est abusé. C'est abusé. Mais pourquoi? C'est quoi ce petit machin? Je t'ai vu. Eh, hey, je ne suis pas un ingrédient, alors ne faites rien bizarre. Je m'entraîne pour devenir chef, j'ai surtout mangé pour l'instant, ceci dit. Parler. Idée. Ah, ils essaient de m'engraisser pour manger. Non, bien sûr que non. Arrêtez de plaisanter, je vous découpe et je vous mets dans un ragoût. Peggy 18. Ah, parce qu'il faut que j'annonce maintenant. C'est ballot. Ah oui, genre, il regarde hein, quelqu'un cuisiner. Bonjour, bienvenue dans la guilde du banquet de gourmets. Notre sélection de qualité est si populaire que nous sommes en rupture de stock, pardon. Ah si, un film que j'ai vu hier soir, un nouveau film. Ready Player One. C'est bien pour la culture geek. Plein de références. Ah, lui, je lui ai pas parlé. Ah si. C'est que j'en avais rien à foutre de ce qu'il disait. De ce qu'il a dit, pardon. Bon bah voilà, ça sert à rien. Ça a servi à rien. On est rentré pour rien dans le trou noir. C'est ballot. Ah non, mais carrément, enfin, vous l'avez tous vu ou pas? Avant que je spoil, parce que sinon c'est moche. C'est moche le spoil. Est-ce que je visite tous les murs? La ville, elle me paraît assez grande quand même. Hein. Tant pis si je loupe des objets. Hein. Tant pis, hein. Qu'est-ce qu'il y a dans l'auberge?
J'ai pas forcément besoin de dormir, mais c'est que ça permet d'enregistrer. J'ai vu qu'il y avait un trophée. Il fallait sauvegarder dans tous les points de sauvegarde. C'est chaud, hein. Non, mais en gros... c'est dommage. Tu comptes le voir ou pas? Mais c'est de plus en plus cher, la vache. Et elle fait quoi, elle? Marché, numéro 2. Bah, pareil, hein, c'est la même chose. Et là, c'est les chambres. Ah oui, bah, alors, pour la tranquillité, franchement, tu repasseras. Y a rien à l'intérieur. C'est coincé. Ok. Auberge de merde. V'là l'auberge de merde. Ouais, c'est ça le problème. Je vais juste te dire qu'il y a une scène qui est très liée à Shining. Shining que je n'ai pas vu d'ailleurs. Donc en fait, j'ai découvert Shining par le Ready Player One. Du coup, il faut que j'aille voir Shining, forcément. Là, il me raconte que la ville, c'est la guilde, tatata. Rien de bien intéressant. Ah, c'est, il se passe quelque chose. Ah ouais? C'est pas vrai. Faut dormir dans toutes les auberges. Eh, qu'est-ce que tu fais? Quoi? Alors, rien? Hein? Eh bien, mais c'est le petit Carole. Qu'est-ce qui te prend de remettre les pieds ici? Eh, voilà, il va se faire emmerder. Baston! Eh, qu'est-ce que vous avez? Ouais, je vais regarder après. Ouais, je ne vois pas Nan, elle t'a déjà largué? Ah, le fait que j'ai pas vu Shining? Ouais, sûrement pas, elle passait sa vie à se plaindre, je me suis tiré. La blague. Ça explique pourquoi Carole n'avait pas très envie de venir à Dungrest. Alors, vous êtes la dernière guide de l'avoir accepté, vous feriez mieux de vous passer de ce boulet. Oh. Tout ce dont il peut se vanter, c'est le nombre de guides qui l'a rejointe. Ah, c'est vrai, il n'y a pas de quoi. Ce sont tes amis, Carole? Tu ferais mieux de te passer de ces boulets? Car, qu'est-ce que tu dis? Quel manque de dignité! La ferme! Vous avez une drôle de manière de dire les choses. D'accord, vous avez raison, mais... Ouais, cause toujours. Baston! Venez, on leur tape dessus. Ah, merde. C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce que c'est que ces notes? Mon sang, ils reviennent. Allez! Ouais, bah ça va. Au pire, c'est pas pareil. Les films, je me casse les yeux. L'alerte, les monstres sont là. Des monstres? Attends, ce sont leurs pas qui font trembler le sol? Si c'est le cas, il y en a une armée. Ouais, mais vous en faites pas, même s'il y a eu des tas de monstres dans le coin récemment, notre barrière résistante n'a jamais cédé. Et les guildes s'occupent des monstres au-delà de la barrière. Et là, crac! Ah, oh bon sang. La barrière a disparu. Mais qu'est-ce qui se passe? Les monstres vont entrer. Bon sang, pour ce que ça arrive toujours quand je suis là. Porte-poisse. Tu dois être maudit. Peut-être. Yuri, il faut qu'on aille arrêter les monstres. Parce que ça fera de l'XP, ça donnera des objets. Ouais. Toi, t'es bizarre, toi. Chasser les monstres, c'est notre boulot. Ok, toi, t'es normal, toi. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la barrière a lâché? Les monstres arrivent par la sortie. Ok. Si je peux même pas fouiner quand il y a des monstres, il va me dire pas par là non plus. Si, là, ça va, il m'arrête pas. Et c'est quoi cet endroit là? Ah, tu peux encore. Ah, c'est verrouillé la taverne. J'allais dire, tu peux encore te balader dans la taverne alors que c'est l'alerte quoi. Non, bah va falloir s'occuper des monstres. On a dit que j'étais bien équipé, hein. Ouais. Normalement. Putain, j'ai réussi à sursauter à cause de mes alliés quoi, dans Fear. Au début. C'est dingue, d'où viennent tous ces monstres? Quelque chose ne va pas. Ces monstres ont l'air différents, non? Les voilà! Ouais! Alors, lui je connais. Ok, c'est parti. Je vous repourrir votre race. Ah, il m'a stoppé mon attaque, hein. C'est trop nul, c'est pas gentil. Hein. Il est déjà mort? On a déjà tué deux? C'est trop facile pour le moment. Allez! On ne relâche rien, il y en a d'autres qui arrivent. Pourquoi y en a-t-il autant? Et pourquoi sont-ils aussi méchants? Ah, la petite boule de feu qui sert à rien. Oh pardon. Bon sang, ils déboulent les uns après les autres. Il y en aura peut-être un gros derrière. Ça, je connais. Ah, Anton, je connais pas.
Loupe magique. Parce que... Du feu, du feu, du feu, du feu. Ah, c'est très... très poétique, les comment dire... Là, tu se grattais. Les attaques de Ripidi. La petite attaque qui vient de lâcher, elle était jolie, le nom. Aïe. Ah, ça, c'est cool, il m'a filé une... La petite soigneuse m'a filé une armure supplémentaire sur... Allez, le coup de hache dans mes... dans le vent. Non mais je vais t'achever toi, je te jure. Voilà. Mais de quoi vous avez peur? Ça passe easy quoi. Ah, H plus. Force. Défense. Eh bah purée, c'est la fête là, vitalité. Ah, c'est ballot. Bon sang. Merci beaucoup. Laissez tomber, fuyez. Bon sang, je vais y rester. Mais non, t'inquiète pas. Ah. Venez, tas de vermine, je vais tous vous avoir. Venez voir ce que ça fait d'être battu par un vieillard, parce que je parle trop vite et du coup je mélange les mots. Eh, GG, level up. Tu dois être à égalité là, non? Ce vieux les attaque vraiment, qui est-ce? C'est le Don White Horse. Alors c'est lui, hein. C'est le Don est là. Chassons ces saletés de monstres, défendez la ville. On ne se moque pas des nuages de l'aube. Bah, avec un nom si pourri, en vrai. Flynn. C'est Charles. Nous sommes venus vous... Ah, t'as Charles, il a mal vécu, hein. Oh là là. Nous sommes venus vous aider à vaincre les monstres. Tout nous, chevalier. On ne peut pas laisser le chevalier faire le sale boulot à notre place. Maintenant, filez d'ici. C'est vraiment le moment pour ça? Tous ces gens ont choisi de quitter l'Empire pour entrer dans une guilde. Aucun habitant de cette ville n'est assez lâche pour aller vous demander de l'aide. Mais, telles sont les règles de la vie que nous avons choisies. C'est à nous de veiller à leur application. Sans tenir à ses convictions, quel que soit le jeu. Ah, il te manque encore à lever, là. Furée. Ah, c'est comme ça que fonctionne une guilde. Hé, hey, toi, là-bas, passe devant. J'ai un nom, tu sais, où est-ce que ça va d'abord? On va réparer le blessé de barrière, sinon les monstres vont envahir la ville. Vous êtes trop gentils, les filles. Tu viens aussi? J'imagine que je n'ai pas le choix. Je voulais juste voir leurs équipements, si je dois changer quelque chose ou pas. Ah, et tu voulais me demander le titre de... Attends, qu'est-ce qui se passe ici? On va faire la scénette. Ça a vraiment la poisse. Alors on a dit, tu voulais voir les titres de Yuri. Oh bah dis, ça en fait pas mal, hein. Mais y a pas ce que tu disais. Justicier obscur, non, j'ai pas. Garçon des rues, nanana. Non, j'ai pas. Non, ça fait penser ce que dans mes objets, je peux consommer les tenues. Titre bonus Raven, Judith. Eh, Flynn, on va jouer avec, c'est vrai. Patty. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Oh my god. Qu'est-ce que se passe-t-il? On a dit équipement aussi. Ok, 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 ok. Hein? Tu as été avalu à Forum? Ah non, on comprend rien de ta phrase, très cher. Par là, je peux y aller ou pas? Moi, je veux aller à la taverne! On ira après, hein. Quand ce sera réparé. Capoitorim, ouais, j'y suis allé. Pourquoi j'ai loupé quelque chose? J'ai loupé quelque chose de gros, apparemment. Et qui, lui? QG de l'Union. Ah bah, en gros, je peux pas y aller maintenant, quoi. Ah, si! Ouais, je suis à la Capoitorim, j'en viens, là. J'ai peut-être loupé quelque chose. Ah, bah voilà, là-bas! Regardez ce que je cherchais. C'est ça que je cherchais.
un truc bizarre dans la map. Oh, ben on va y retourner, hein. On dirait que vous m'avez trouvé, vous êtes plutôt dué. Dué. Récompense, je vais vous apprendre à cuisiner. Mindstrom. Je vais vous donner ceci pour vous permettre de vous entraîner. Là, là, là. Ah ouais, d'accord. Bon, bah, après, on ira... quand on aura sauvé la ville, on ira faire un petit dodo à Capuatorim. Capuatorim, il est pas très loin, on n'est pas loin, là. Putain, mais je savais pas qu'il fallait dormir dans toutes les guildes. Enfin, toutes les auberges, je veux dire. Ça, c'est sadique, qu'ils auraient pu nous le dire, quand même. Hein. Ils auraient vraiment pu nous le dire. Oui. Gars, je peux cuisiner. Mon personnage en jeu, il cuisine plus que moi dans la vraie vie. Attaque magique, défense magique ou c'est légèrement la défense physique. Ouais, bref. Ça va où ça? Je fais pas du tout la mission pour le moment. C'est la prison? Vous n'irez pas plus loin? Bah si en fait, mec, je suis en train de fouiller ta prison. Il y a une gelée de pommes dans les toilettes parce que si on l'a ramassée. C'est bon ça? Gelée de pommes dans les chiottes. T'es sûr que c'est de la gelée de pommes? Putain, je te libère. Bouclez-la, laissez-moi tranquille, bah ça va. C'est verrouillé et ça restera sûrement. Moi qui aime bien fouiner. Ouais, je sais que Mainstron c'est un plat, je l'ai vu dans Tomodachi Life. Appartement du Don. Ah bah tu sais, c'est le meilleur moment pour aller fouiller les appartements du Don, tiens. Ça devrait... Oh là, c'est glauque ici. Ça devrait même pas être possible de fouiller. Là, il y a tous les plastrons de guild et tout, machin. Ok. Putain, j'ai rien à foutre là, mais j'y suis quand même. Tant que c'est pas marron. Allez, go, on va être sérieux maintenant. Pff, tu peux regarder dans le feu, ça sert à rien. Ah, une statue et l'autre statue. Allez, go. En même temps, moi, j'investis la ville, hein, je ne connais pas plus que ça. Au suivant. Bon, j'ai pas testé si les maisons pouvaient rentrer dedans. Là, ok, c'est un cul-de-sac. Ici. Je peux passer ou pas? Taverne. Ah, mais il y a plusieurs tavernes ici. La Sagittaire et l'autre, c'est-à-dire que je dois dormir dans les deux? Galère. Ah non, taverne, pas auberge. Pff, si je sais plus lire aussi, faut dire. Je fouille, je sais pas ce que je fouille, mais je fouille. Le bureau du Don. Mais je croyais que le bureau du Don, on l'avait déjà vu. Fiole sacrée, pas dégueu. Fiole maudite. Fiole de limite. Purée, mais ça valait le coup là de fouiller. Donc celle-ci elle est ouverte pour le coup. Non, je veux parler à personne, je fouille les meubles. Fiole de panacée, allez. La barrière a disparu, pas bon, pas bon. Allez, c'est parti. J'ai bien fouillé comme un cochon. C'est pas le moment, je sais. Toi, tu dis quoi, toi? Je vis dans cette ville depuis de nombreuses années, mais je n'ai jamais vu la barrière céder. Eh ouais. Il se passe quoi là-haut? Ah, il y a quelqu'un qui est mort, c'est génial ça. On arrive trop tard, c'est horrible. Dégagez de là. Bah, si elle savait aussi, Regen, elle sait pas faire. Elle sait pas faire revivre encore dans ces capas. Je pourrais faire quelque chose avec ça. C'est tellement ça dans les jeux vidéo. Rita, attention derrière toi. Mais même dans les maisons des gens et tout, hein. Sans pitié, on ne vous laissera pas réparer la barrière. Bon sang, ça commence à bien faire, j'en ai marre. Mais oui, c'est clair. Alors, est-ce que je les ai déjà croisés, eux? Non, il faut que je les palpe. Faiblesse à la lumière, ça tombe bien, j'ai pas d'attaque lumière, enfin je crois pas. Est-ce que tu as des attaques de lumière, mon très cher petit? Je viens de remarquer qu'il y a des flèches de couleur sur les attaques. T'as pas de lumière, ok. C'est pour déclencher les attaques spéciales peut-être? Va falloir que je me renseigne.
Zinc. Fait lumière, pareil. Aïe! Ah, c'est vrai que j'ai oublié que quand j'ai pas de MP, là, de points magiques à MPM, ben en fait je peux essayer d'attaquer, ça fera rien quoi. Sa vengeance par contre, là, vous me faites mal. Hein. T'attaques pas ma soigneuse! Ah, j'irai pas qu'à Poitorim? Bah, ça m'étonnerait quand même que tu loupes une énorme. Il faut bien dormir à toutes les auberges. Eh bah, purée. On dirait que c'est à ces types qu'on doit l'effondrement de la barrière. Mais pourquoi? On dirait que vous avez pas mal de choses sur les bras ici. Alors, le petit discours du Don ne t'a pas convaincu? J'ai fait simplement ce que je peux pour aider. Qu'est-ce que ça donne la réparation de barrière? Tout va dépendre de notre mage génie. Le noyau est toujours là, ils ont juste joué avec ta formule. Hein. Est-ce qu'elle parle à Blastia? Qu'est-ce que... Un amplificateur? Et encore cette formule, la même que sur la colline des Maids. La barrière a disparu quand les monstres ont attaqué. Ils ne sont pas arrivés à ce moment par hasard. Hein. Probablement pas. Et ça manque de scènes en manga, hein, comme on avait eu tout à la dernière fois. Enfin, pas l'épisode dernier, mais l'autre fois. Alors, ton apparition ici signifie que c'est lié au problème de l'Empire? Je n'en sais rien. C'est pour ça que je suis venu en observation ici. Ça, ça va, et là, et ça, ici. On va m'endormir à l'auberge avant de quitter la ville, maintenant. C'est bien notre Rita. Bon, allons tuer les monstres au-delà de la barrière. Hors de la ville, les guildes ne peuvent rien dire. Laissons Flynn se charger des monstres. Allons à l'Union pour Allons à l'Union nous renseigner sur Barbos. Tu as vraiment confiance en Flynn, n'est-ce pas? Uniquement parce que je n'ai personne d'autre à qui faire confiance. C'est comme ça que je vois les choses. Yuri, parfois j'ai du mal à te comprendre. C'est normal. それ全部がユニオンに入ってるのか?うん。全部ってわけじゃないけど。でもそうだな。9割くらいは入ってるかも。それのトップ張ってるってことはドンってやっぱ本当にすげえんだな。そりゃなんだってドンだからね。なんであんたが誇らしげ? C'est le Don qui est incroyable, pas toi. Allez, bim, mange. Donc on peut pas monter en fait, c'est cul-de-sac également ici. Ok. La ville, ça va, elle est pas si grande que ça. Elle paraît grande, mais elle est pas si grande. Donc on doit aller à l'Union. Pour le moment, les combats, ça se passe plutôt bien. Jusqu'à ce qu'on rencontre un monstre. Ah, vous êtes qui, vous? Nous devons parler au Don, vous pourriez nous aider? C'est une affaire qui concerne les 5 guildes maîtresses. Je n'ai pas souvenir de vous avoir déjà vu. Je suis passé il y a à peu près 5 minutes. À quelle guilde appartenez-vous? Nous n'appartenons à aucune guilde, en fait. Malheureusement, le Don a quitté la ville à la poursuite des monstres. Il est allé pour chasser les monstres? Eh ben, tu vois, Ishii? Oui, il compte aller balayer les nids de monstres. Je vois, merci pour l'information. Pas de problème. Si j'allais me battre là-bas, je pourrais prouver ma valeur au Don. Bah, tant pis, on va chercher des informations en ville. Quoi? On va pas aider le Don? Parce que tu sais où sont les nids de monstres, toi. Bien vu. Puisque vous n'avez pas l'air de progresser très vite, je vais aller voir Cave Mock. Quel égoïsme! Je veux simplement régler ça le plus tôt possible. C'est-à-dire que tu emmènes Estelle avec toi? Oui, j'ai dit à Alexei que j'irai après tout. Ne t'en fais pas, nous ne risquons rien toutes les deux. Désolé, mais non. S'il t'arrive quelque chose, Flynn me traquera pour me tuer. Tu vas y aller, Yuri? Eh bien, on ne peut pas dire que les pistes se bousculent en ville. Alors c'est décidé, en route pour la forêt de Cave Mock. On est suivi. Ah, par lui, d'accord. Il voit un Cave Mock, hein? Quelle coïncidence. Quand est-ce qu'il va se décider à venir dans l'équipe, lui? ただの観光なわけはねえからな。当然なんかの任務でってことだろうよ。フレン、大丈夫でしょうか?ギルドの人たちの風当たりは強かったみたいですし。
その程度でつまずくほど、あいつはデリケートにはできちゃいねえよ。何せ騎士になるまでずっと下町で育ってきたんだからな。そうだといいんですが。なんなんなんなんなんなん。 Allez, un petit dodo à la taverne pour voir. À la taverne, à l'auberge. Purée, mais je vais pas arrêter de dire l'inverse. Ah, t'as regardé sur les rangs. Bon, allez, 400 galles de perdu. Allez, merci Ryu. Oui, on l'applaudit. Non, c'est pas perdu là. Rien que pour les PM. Mais il s'est rien passé, wouh! Je rigole, hein, c'est pas grave. C'est pas perdu. Donc on doit aller vers la forêt de machin. Qui est par où? Y'a rien de plus qui ressemble à une forêt qu'une autre forêt en vrai. Ok. J'suis peut-être pas sorti par la bonne sortie. Qu'il aurait fallu que je sorte par une autre sortie. Bah je vais essayer. Là, ça me paraît bizarre. Voilà, bon, ça se passe. Non, c'est un cul-de-sac de l'autre côté. Je vais voir. それはね、ギルド最大の街だし、みんなシンネン持って生きてるから。エスティルはダングレストは好き？はい、すごくいい街だと思います。ユリは？うん。結界が消えたりしなきゃすげえいい場所なんじゃねえの？またそういうこと。 Je regarde juste s'il y a une deuxième sortie en fait, c'est bizarre. Allez, sort ton boost. Je me rappelle plus ce qu'il y a de l'autre côté en vrai. Ah oui, non, c'était fermé. Ah non, c'était pas fermé. Qu'est-ce qu'il a lui? A gigoté. Une attaque de monstre juste après votre arrivée, le ce jour vous plaît. Ça va. Voilà, ça me paraît plus logique de ce côté quand même. Là-bas, il y a l'air d'avoir une forêt. Différente du reste. Ça va, on n'est pas trop emmerdé par les monstres quand même. Voilà. Badi badou. La forêt de... Je me souviens, Cave Mock. Ça fait quand même trois fois qu'on le dit, mais je me souviens plus. J'ignorais qu'il existait des arbres aussi grands. Ouais, mais je ne suis pas sûre que cette taille soit le signe d'une bonne santé. C'est comme tu l'avais dit, Carole. C'est comme ce qui s'est passé à Eliord, quand le Blasta s'est mis à faire n'importe quoi. S'est mis à faire n'importe quoi, plutôt. Attention, il y a quelqu'un ici. Ah, encore lui. Yo, hey, quelle coïncidence. Oh, pardon, je suis désolée. Vache. Qu'est-ce que tu fabriques dans un endroit pareil? Oh, je me promène en forêt, je profite de la nature. Ça a quelque chose de louche. Et alors, on ne souhaite pas la bienvenue? Tu ne croyais quand même pas qu'on allait être content de te voir, si? Oh, tu ne le penses pas, je suis montré utile, si tu sais. Tu n'espères quand même pas venir avec nous? Bien sûr que si. Nous sommes un peu seuls ici, quoi. Je dérange? Tu ferais bien de surveiller tes arrières. Si tu tentes un coup fort, tu es mort. La violence, elle. Allez, tu ne penses quand même pas à mes... tu ne penses quand même pas que mes méthodes puent à ce point, pas vrai? La puanteur vient par vague attaquer mes narines. C'est vrai? J'écarte toute responsabilité en cas de mouvement brusque de ta part. Tiens-le toi pour dit. Raven. Donc on va le prendre dans l'équipe forcément pour voir comment il joue. J'allais dire la même.
Alors, donc on a dit objet raté, c'est pas là, objet spéciaux. Raven, 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 Raven. Ok. Donc on va le virer. Alors qu'est-ce que... Je voulais faire équipement de Raven. Ah, c'est un archer, d'accord. Oh, pas mal. Hop là, anneau de défense, bim. Bah on va le mettre tiens, à la place de... Bon, ça va pas faire beaucoup de magie pour le moment, mais on va voir. On va voir comment ça se passe. Non, par contre, je veux pas son apparence, elle. Voilà. Donc que vous vouliez avoir une petite demoiselle qui court partout. Ah, loupé. Ah oui, là, ce feu. Aïe. Ah, qu'est-ce qu'il a volé, lui? Poisson, défense physique. Ouf. Pas trop besoin, là. Titre reçu, franc-tireur. Pas mal. Direct, à peine arrivé. Qu'est-ce que j'ai sur la tête? Qu'est-ce que c'est, ça? Voilà, il se sent mieux, le chien-chien. Les petits chiens-chiens sont papa. Non, c'est pas cool de me faire ça, là. Me mettre deux coffres sous le nez. T'as par là? Si je saute. Genre, je veux sauter, je veux sauter. Il y a deux coffres, quoi, merde. C'est pas juste. Il y a de la variété aussi en bestiole. Une nuée de dragon. Oh, stylé. Ça fait quoi, ça? L'ennemi est touché par les taillades tournoyantes. Oh. Il n'y a pas d'éléments, mais par contre, il est classe. Aïe. Allez, bim. Mange-mâche. A réussi à cuisiner poisson sous miso. Sauce miso, pardon. On a une demi-heure pour faire la forêt. ça taille. Non, mais pourquoi je loupe mes trucs, moi, à chaque fois? Aïe! J'arrive pas à en placer une. Ah! Oui, j'ai réussi à placer mon attaque! Fierté! Ah, c'est l'attaque réflexe, quoi. Aïe, merde. Et il est dans le dos. Il est sur le dos, pardon. Il est dans le dos, n'importe quoi. Je parle trop mal. On a ramassé la dose de trucs. Ah, ne faites pas attention à moi, faites tranquillement ce pourquoi vous êtes là. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Tu connais un moyen de nous convaincre que ça vaut la peine qu'on te garde avec nous? Est-ce que j'ai l'air d'un magicien des rues? Hé,
Hey, toi, viens ici une seconde. Quoi, moi? Qui va lui faire? Hein? Si tu veux, Carole. Ah, ne me laissez pas ici! Montre-lui pourquoi, petit. Pourquoi moi? D'accord, c'est plus drôle. Ça ne devrait plus tarder. Ouah! Ça a explosé de l'intérieur. Qu'est-ce que vous avez fait? Il suffit d'attendre qu'ils aient baissé la garde, leur donner un petit coup et bam! Bon sang, tu dois avoir ton petit succès dans les banquets. J'ai trouvé ça pas mal. Vraiment? Oui. D'accord. Eh bien, c'est-à-dire que j'ai réussi le test, je peux rester? Tu rigoles? Ce sera bien plus facile de le contrôler si on le garde à proximité. Qu'est-ce que tu entends par contrôler? Je n'y avais pas pensé. D'accord, vous me collez des frissons dans le dos. Eh bien, Monsieur Raven, après vous. Monsieur Raven. Eh, d'accord. Monsieur Raven, la blague. Et moi, j'ai repéré des coffres, je vais aller au coffre. Qu'est-ce que tu fais, Carole? Dépêche-toi de venir. Ouais. Wouah! Dégage, ne me touche pas, recule! Carole, Carole, ça va, ce truc s'est déjà envolé. Hein? C'est vrai? Bon, continuons. Le capitaine Carole a un peu changé, non? Tu trouves? J'ai l'impression qu'il plane autant que d'habitude. Non, il y a quelque chose de changé en lui. Le Carole d'avant aurait trempé son pantalon ou filé à toutes jambes. Oh, maintenant que tu en parles, je crois que tu as raison. Ah, genre, c'est grâce à l'autre. Hein. Ouah, des insectes, toute une nuit, attention! Ouah, dégagez, dégagez! Il est pas cool. Berk, pourquoi tu as fait ça? Ah, mes yeux! Je voulais simplement t'aider à chasser ces nuées d'insectes. C'est pas mal. Y'a de l'humour. Coucou, Did, comment ça va? Ah, je ne crois pas. Tout, j'ai cru que j'allais y rester. Non, j'aurais pu faire cof-cof. Carole, tu as vraiment peur des insectes, n'est-ce pas? Qui, moi? Non, pas du tout. Ça va, Carole, inutile de jouer les durs. T'as déjà un nom de fille. Tiens, prends ça, c'est de l'insecticide d'Aspio, le plus efficace. Ça ne te dérange pas? Pas du tout, mais fais attention de ne pas s'en servir près des gens, là, ce pic. Ouais, nickel. Je ne fais plus partie des gens, hein. Pouf. Allez, route. On se bastonne sur tes œufs. Carole a appris l'art et basique souffle à insecte. Toi aussi tu fais des pixels? Et déjà, petite connexion, mais si elle te permet de streamer, c'est déjà pas mal. Parce qu'il y a des vraies petites co, bah là, elle stream pas du tout. Ah bah c'est sûr, c'est pas de la HD. Hein. Mince, j'ai pas lu la phrase, désolé. Il y a très probablement des poches d'air concentrées dans le coin. Oui, l'air trop dense peut avoir des effets néfastes sur les gens et sur les Blastia. Absorber trop d'air peut accélérer le métabolisme, ce qui entraîne un épuisement inhabituel. Ah, tu voudrais streamer quoi, toi? Waouh, tu ne sais plus ce que je l'imaginais. Tu sais plus ce que je l'imaginais. Ah, simplement du bon sens. Alors, tu voudrais streamer Apex et compagnie? Je m'attendais à ce que les gens connaissent les effets de l'air sur le corps humain. Mais j'ignorais que la sursaturation en air des Blastia était une connaissance très répandue. Bah, tous les gens qui servent de body Blastia le savent probablement. Pourquoi c'est particulièrement horrible ce soir ou quoi? En fait, je n'avais jamais entendu à parler avant que Rita ne me l'apprenne. Tu devrais arrêter de glander et mettre un peu le nez dans ces bouquins, petit. Ah oui! Ah oui, Forza, laisse tomber. C'est comme j'avais trippé sur un jeu pareil, Outrush. Mais tu peux pas le faire quand t'as une collection de merde, parce que
Parce qu'en fait, les gens ils vont juste voir des pixels bouger. Ça va être super intéressant demain. Je comprends ta douleur, très cher. Ah, pas mal ce petit pouvoir, qu'est-ce qui s'est passé? Aïe. Ah bah oui, on s'est fait prendre par surprise. Du coup, on c'est pas les combattants que j'avais prévus. J'ai découvert ça récemment. Tends la main. Tire sur mon doigt. Pardon. Estoc. Oh. Attends, et c'est Yuri et Estelle qui peuvent s'en servir de celle-là. Ah, c'est ballot. Ils sont en train d'apprendre des choses. Gelée d'orange, je peux pas m'en servir. Du coup... Bah, je vais l'utiliser, hein. Et comme ça, je la ramasse quand même. Comme ça, je suis à 15. Parfait. Ah. Et moi, j'ai de la... Dans mon malheur, j'ai de la chance que je suis près de la centrale. Donc, en fait, je stream en basse qualité, mais je peux streamer tout le temps. Donc, ça, c'est cool. Dans mon malheur, c'est une bonne nouvelle. Mais sinon, tout ce qui est variation de qualité, bah, du coup, je vois pas, quoi. Ce serait tellement plus simple d'avoir une petite marge, quoi. Tu sais, tu mets une qualité moins que ce que tu pourrais faire. Mais, saloperie de bestiole, là, elle m'a eu. Ah, mais il fait un peu de magie, lui, en fait. Il fait pas que de l'arc. Ah, c'est lui, peut-être, qui a fait le truc de gravité, là. Ah. Pourquoi il a sauté en l'air, machin? Ah oui, c'est peut-être moi. C'est peut-être ma faute. En fait, il utilise jamais son arc, l'autre. Tiens, mort, meurs. Ah bah non, il meurt pas. Voilà, quand même. Et c'est toi, Ishii, qui voulait regarder ma cause, si tu pouvais faire quelque chose ou pas. Ça m'étonnerait, mais bon. Niveau plus de Carole. J'ai la gauche ou à droite, là? Gauche, je crois. Ah, oh, purée, je les rate à chaque fois. Les machins qui volent. Ah, c'est joli ça, Noctule feuille. Les chauves-souris en feuille. C'est beau. Aïe, ça fait mal. Bah, c'est beau, mais je vais le poutrer tout pareil. C'est beau, mais c'est agressif. Aïe. Allez, bim. Je l'ai loupé, je crois. Bim! Mais pourquoi je loupe à chaque fois? C'était pas normal. Ah, il a pas réussi à cuisiner en plus. J'ai rien compris à tous les mots que t'as marqué là. Je sais même pas où je vais en vrai. Ah! On l'a étourdi. Merde, le but c'est de trouver la sortie, on va pas s'amuser à tout visiter. Pourquoi il court pas? Je me disais aussi, il y a un problème. Non, il m'a empoisonné, c'est dégueulasse. Quand même, c'est pas normal que ma soigneuse elle connaisse pas Rez, quoi, tout simplement. Si quelqu'un meurt, on est encore obligé d'utiliser le... Ah, c'est pas mal. On est encore obligé d'utiliser les fioles vitales. C'est naze. Comment ils en sont pour les Kappa? Non. Voilà. Et ok. Mais je sais pas trop de quoi date l'installation. Ah, purée, dans le dos! Abusé, honteux! Ah! Mais il a bien fait de venir lui, il a pris un truc! Tiens, mange, mange le piaf! Saleté de piaf! Purée! Il me laisse pas faire ce que je veux, il m'énerve! Il cherche les ennuis, les machins! Tiens, un coup de poing dans ta face là! Mange le sol! Il m'a mis deux claques avec ses ailes, c'est dégueulasse! Ah, grosse bait! J'ai plus de PM. Merci pour les soins.
Il faudrait que je mette des sorbets, mais j'ai pas la bouffe qu'il faut. Ah, ça, tout ce qu'il a appris, la vache. Ah, mais j'ai pas d'autres armes pour lui, alors... Bah, tant pis, il a tout appris, mais il attendra. Par où que je dois aller? Non, oui. Oh, je suis nul pour viser. Attends, c'est-à-dire qu'il passerait directement de la DSL à la fibre chez toi? C'est étonnant ça, il n'y a même pas de passage à la VDSL. C'est quoi le sort avec le petit cœur? Ah, moi je suis même pas programmé au niveau des prévisions de fibres. On en parlait l'autre jour, c'était le gros sujet. Ah ouais, tiens. Mais t'es un peu à la campagne ou c'est genre une partie d'une ville? Ah, je vais me faire foutrer! Et toi, ce jeu-là, je me dis que c'est peut-être le moins pire en niveau... Enfin, pixelisation. Mais c'est vrai que ça fait baver hein, quand tu vois des chaînes qui sont HD et tout. Bah ouais. La fibre, c'est la vie. Ah, je l'ai bloqué, c'est bien ça. Ah ouais, ouais. Mais toi, en même temps, quand je cherchais une maison à acheter, j'allais pas m'amuser à faire en plus la fine bouche pour la fibre. Enfin, tu sais, pour la connexion internet. Hein. J'ai déjà suffisamment de contraintes. Tant pis, hein. Après, ce que vous disiez la dernière fois, si je prenais par satellite, enfin par truc 4G là, clé 4G avec un amplificateur satellite, là ça devient un truc chiadé, hein. C'est plus le même budget. Ce serait pas mal par contre, hein. Purée, ce serait une bonne solution. Ah ouais, c'est qu'en fait ça passe au-dessous. Attends, je regarde vite fait. Tu me dis, il y a des gens qui vont de la VDSL, c'était un kilomètre autour de... Ah, d'accord, ok. Contre la fibre, pourquoi? Pourquoi ton maire, il a milité contre la fibre? C'est cool, la fibre, c'est la vie. Par contre, oui, effectivement, ça changeait un peu les infrastructures, quoi. J'ai pas vu ce qu'il avait volé, dommage. Mais arrêtez de me fracasser, mais laissez-moi jouer. J'ai des choses à prouver aussi. Aïe, putain, ils font trop mal. Les saloperies. Vengeance! Non, ça va, il en a pas contre moi. Ah, ils m'ont saoulé les becs! Ah, 99 dans ma face! Voilà, mange! Bah, ouais, ce serait ça, hein. On passerait sur du truc en satellite, faudrait que je me renseigne. Alors, qu'est-ce qu'on a comme choix? On est arrivé de par là, on peut aller par là, qu'est-ce qu'il y a en bas? Cul de sac, ok, là-haut, coffre, ah! Attends, on a fait tout ce voyage-là pour un coffre? La vache! Mais, oh, mais laissez-moi tranquille! Après, il faut voir combien de personnes le réclamaient dans sa bourgade, hein. Forcément, c'est un budget, j'imagine, pour un maire, je m'en rends pas compte. Mais bon... Je sais pas comment ça se passe, si c'est des référendums, des machins, des... Ah! Ouais! Il a explosé! C'était joli! Lâche mon copain, toi! Ah, c'était pas mal, cette explosion! Mais c'est vrai que quand t'as goûté à la fibre... Oh! Un nouvel Arte! Chien divin! Ouais, voilà. Oui, c'est vrai. Ouais, faut voir le nom de personnes qui sont intéressées. Quoi. C'est des gens qui n'ont rien à péter sans doute. Hein. Ah, patte de lapin, augmente la chance, ok. Y'a pas un truc moins... Ok. Toi, tu as pas le choix. Toi non plus. Toi presque, ok. Bon, là, c'est un cul-de-sac. Génial. On va regarder ailleurs. Là, c'est un chemin ou pas? Non. Bah, tout ça, c'était juste un cul-de-sac, en fait. Mince. À moins que j'ai loupé quelque chose.
Je crois pas. Donc ça, c'était pas une bonne idée. C'est bizarre que ça fait quand même un gros chemin. Ici, c'est bloqué, ok. Ensuite, est-ce qu'il y a des choses en bas? Non. Ici. Ah, ici, ça peut être pas mal. Allez, faut que je t'étourdisse. Voilà. Allez, 11 000 sur 17 000, ça commence à être intéressant quand même. Ouais. Surtout, ça avait à réparer aussi, c'est horrible. Hein. Ça pète dans rien et c'est cher à réparer. J'ai l'impression qu'il a des sorts pour charmer le petit nouveau là. Ouais, il a réussi à préparer. Ah bah, j'ai appris récemment que la fibre était se conduisait par la lumière. Enfin, récemment, il y a quoi? Il y a moins d'un an en tout cas. Que du coup, fallait pas beaucoup de coudes pour pouvoir garder justement ce lien. Il y a certains virages qui passent pas et tout. Hein. Ah, trop de latence. Bah, donc ça se trouve, j'aurais pas beaucoup mieux quoi au final. Puis ça doit. Parce que c'est ce qu'on disait l'autre jour, le problème de chez moi en fait, c'est que la 4G, je l'ai au portail, mais je l'ai pas dans la maison. C'est génial, hein. Bah ouais, c'est cool. Hein. Moi, j'aime bien la technologie, quand même. Équipé... non. C'est elle qui en aura une nouvelle capacité. Voilà, lanceur d'objets et des robots de garde. Ah ouais, parce qu'au début, faut le savoir, hein, ils peuvent pas se lancer d'objets entre eux. Ah, il y a un coffre ici. Tant pis. On n'est pas à la chasse au coffre. C'est pas le but de la partie... Je ferai pas un 100% de toute manière. Je vais pas m'amuser à faire un 100% en live. Déjà, si on arrive à faire l'histoire, c'est pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Bébé, bébé, boum! Cette magie est trop puissante. Aïe! Je serais triste quand ils seront plus sensibles au feu, je pourrais plus leur faire champ de destruction. Non! Oh le. J'ai fait un petit blocage là! Miam miam! Repose en paix, c'est la première fois qu'elle sort ça. Alors... Eh, vous n'avez pas entendu une voix? Ah ouais, à ce point-là. Manque de ping. Je m'en... Tu m'emmènes, mon vieux? Hein? J'ai déjà entendu cette voix. Ah, la revoilà celle-ci. Patty! Quoi? C'est une amie à vous? Nous devons l'aider. Ouais, ouais, je m'en occupe. Il l'a eu. La fille ou l'insecte? Joli. Allez, boum. Ah, c'est tendu, hein. Ouais, alors tu es toujours à la recherche du trésor d'Eifrid. Eifrido? Oui. Ouais, c'est ça, un trésor dans un endroit comme celui-ci, mais qui t'a raconté des âneries pareilles? Ouais, ça va, c'est lisible. Mais celui-là, ça reste qu'il n'y a pas beaucoup de mouvement. Il y a pas, il y a part dans les combats où ça commence à être un peu flou. Hein. La guilde des cartographes, la cave du monde, me raconte beaucoup de choses. Après tout, ils passent leur temps à faire le tour du monde. Et puis le truc qui passe bien aussi, c'est que c'est pas un jeu qui demande d'une ressource internet pour fonctionner non plus. Parce que genre DBD, ça consomme. Monster Hunter, ça consomme aussi. Du coup, ma qualité d'image, elle est moins bien. Et puis dès que... Bah, dès que t'as un peu plus... plus de détails dans le décor, bah ça passe moins bien, quoi. C'est aussi pour ça que tu es allé au manoir de Ragou. Mais il n'y avait rien là-bas, non? Non, mais une histoire qui est 100% crédible et d'autant plus louche. Hein, c'est sans doute vrai. Sauf que toi, tu es 100% louche. Eh, ce n'est pas la peine d'être méchante. Bon, ce n'est pas tout ça, mais je dois repartir à la chasse au trésor, moi. Si tu continues à te balader toute seule, tu vas encore te faire attaquer par des monstres. Ce monstre ne m'attaquait pas, on a joué ensemble. Je ne pense pas que le monstre le voyait de cette manière. Patty, derrière toi!
Allez, au pistolet. Ok, elle a pas besoin de nous. Ah ouais, ok, elle est comme ça, elle. Bah oui. Je suppose que ça veut dire qu'elle saura se débrouiller toute seule. Viendras-tu avec moi? J'apprécie la proposition, mais la chasse au trésor devra attendre encore un peu. C'est bien triste, mais je dois quand même partir. Adieu. Elle a disparu. Elle va vraiment réussir à se débrouiller? Elle a dit que oui, alors oui, pourquoi pas. J'espère que tu as raison, de toute façon, ce n'est pas comme s'il s'inquiétait, elle changeait les choses. Allez, en route. J'avais vu un coffre dans la vidéo. D'où le coffre de la vidéo? Enfin, j'arrête de bugger sur les coffres parce que du coup on va perdre du temps là. Non! Tu vas pas me taper! Pas taper! Faut pas taper! Aïe! Allez, meurs! Voilà. Repose en paix! On n'arrête pas de ramasser des fraises. Étourdi! Non, il s'étourdit pas! Oh bah tant pis, je sauvegarde. Donc Patty n'arrive toujours pas dans notre équipe quoi, c'est fou hein. Bon, est-ce qu'on essaye de sortir, aïe, de cette forêt? Avant que j'arrête, parce que du coup je dois arrêter dans 7 minutes normalement. Pour pouvoir être à peu près fraîche demain matin, mais je me lève plus tôt que d'habitude encore. Aïe! Elle réveille demain matin, il va piquer. Passe devant le vieux. J'adore sa voix. R.A.B. Ah, j'aime bien. Ils ont vraiment du caractère sympa. Des caractères sympas, pardon. Ah, je t'ai eu, toi. Comme ça, j'ouvre le coffre tranquille. What? Oh non, mais à chaque fois, je me fais avoir. C'est un faux coffre. Qui s'appelle Graine. Niveau 30? Oh, mais il m'a bouffé! C'est dégueulasse! C'est dégueulasse! Mais deux fois! C'est pas vrai ça! Non, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais faire modération. Changer stratégie, modération. Bah ouais, pourtant. Ouais, c'est ça. Alors du coup, elle, fiole de limite, RAB. J'utilise pas hors limite, j'ai jamais assez de points magiques pour ça. Normalement ça fait enchaîner les artés, mais le problème c'est que ça consomme les points de magie, alors... Ok, ça te défoule un bon moment, mais ça te pourrit ta barre. Hein. Contre les petits monstres, en gros, là... Pff. Ça fait rien. Équipement de la demoiselle, parce qu'elle a déjà appris tous ces trucs, elle. Elle va trop vite. Bon. La suite. Ah, ok. Elle est pas mal son petite musique de combat. On s'en lasse pas. Alors, par contre, faut bien faire attention quand on veut taper en haut, taper en bas et tout. Il y a bien une différence. Hein. Ce tes coups au milieu quand la bestiole est en l'air, bah. Pff, ça sert à rien. Tiens, Ryu, est-ce que tu peux regarder si j'ai toujours ma catégorie d'active, s'il te plaît?
Tu sais, comme tu m'avais promis de faire la dernière fois qu'on en avait parlé. S'il te plaît. Sauf si tu fais déjà, et auquel cas, je te présente mes excuses, les plus plates. Aïe, j'ai pas vu celui-là. Oh, coucou Eidos! Merci Ryu! Nous sommes 8, mais que se passe-t-il? Comment ça va toi? Bim bam boum! Ah mince, ma batterie est faible! Mais tant pis, elle va tenir. Bah ouais, carrément! T'étais pas venu sur du Tales of Si, peut-être une fois vite fait? Alors pour info, j'ai des badges VIP maintenant à donner! C'est ça la petite subtilité. Non, hein, je crois pas. Hein. J'ai des badges VIP, c'est-à-dire que si tu atteins le niveau 20 en temps de visionnage, eh ben, t'auras ton petit badge VIP. Badge VIP qui va te donner l'accès au salon VIP que je n'ai pas encore créé. Mais l'idée est là. Pareil, il faut aussi que je vous prépare l'émoticône Peggy 18, hein, parce que franchement, celui-là, il va être drôle. Je l'ai dans ma tête. Faudra juste que j'arrive à le recréer sur le papier, quoi. Enfin, sur le papier, sur le... Au moins sur le fichier, quoi. C'est pas le plus simple, hein. Ah oui, c'était dans Jurassic Park, ok. Attends, maintenant, le dimanche soir, c'est la soirée RPG. Hop, la petite coffre. Qui va bien. Minerve. Oh là là, il m'a fait une attaque. Une attaque vicieuse. Combat surprise, youpi. Mais arrête de vouloir utiliser de la gelée orange. Ah, c'est pour moi qu'ils veulent utiliser de la gelée orange. Je leur fais pitié d'avoir très peu de points magiques. Bon, allez, vas-y, donne-moi de la gelée orange, cocotte. Merci. Tu sais, la catégorie, elle a sauté une fois pour le moment. C'est la première fois que tu l'avais fait, c'était en facile. Quand on sauvegarde, c'est dire que c'est la suite. On se rapproche de la fin. D'accord. Et ça s'était bien passé? Il te plaît? T'avais fait les premières versions ou pas? Ou juste celui-là? Moi, j'ai bien envie de me le faire... Est-ce qu'il se fait en coop celui-là? Je sais pas. Ou c'est juste une seule personne? D'accord. Aïe. Ah mince, c'est dommage. J'aime bien les Risen quand ils se font à deux. J'en ai plein qui sont abîmés là. Je vais peut-être changer mes persos un peu. Ripidi, je vais le virer, je vais prendre Carole. Voilà. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais prendre Carole un peu. Et puis bah... Échanger Rita avec... Ah, c'est ballot. C'est ballot. Tiens, on a récupéré un raid, j'ai l'impression. Ah, d'accord, oui, tu t'étais renseigné quand même. Si tu joues un jeu, au final, tu comprends que chi, c'est pas terrible. Je crois qu'il faut aller là où il y a des trucs bizarres là-bas. C'est le même phénomène que celui que nous avons constaté à Eliord. L'air est moins dense que là-bas, mais sinon, c'est pareil. Ouais, une grosse bête, on va crever comme des grosses merdes. Ce monstre ressemble à ceux qui ont attaqué Dangrest. Il approche. Mais à chaque fois, ce jeu, c'est bizarre parce que les monstres normaux, ça va. Mais dès qu'il s'agit de gigalarves, allez. Mais dès qu'il s'agit de se taper contre des grosses bêtes, et bah ça devient la cata. 48 000 points, il a déjà moins de PM que prévu. Faiblesse au feu. Ah, c'est qu'il a lâché une attaque. Par contre, là, clairement, la stratégie, c'est... Charge complète ou défense? Charge complète. Allez, je lance tous les chevaux, là. Aïe! Il m'a foutu par terre, espèce de saloperie. Ah, coup de marteau supérieur. Ah, ils sont en train de causer, là. On peut pas comprendre ce qu'ils disent. Je parle pas jap. Ah, j'ai loupé une grosse attaque. Je suis deg. Non! Ah, j'ai loupé une grosse attaque, c'est trop dommage. Ah,
C'est ballot. Faut que je lui fasse des artères rouges s'il est fragile à ça. Lui c'est un arté vert. Rouge. Ça c'est quoi? Champ de destruction, je l'ai déjà. Bon tant pis, il y aura que ça. Aïe 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 aïe. Là, là. J'ai loupé. Il m'a tué avant que je lui passe. Ah. Là, je l'ai la GameCube, faudrait que je m'amuse avec ça. Yeah, il m'a foutu quelque chose dans la tronche. Ah, je suis deg. Faut que j'arrive à lui passer, hein. Ah, puis la jauge, ça allait remonter. Je suis pas sûr que la grosse attaque, j'ai réussi à lui faire. Il a combien de vie, d'ailleurs? 18 000. Oh, ça va, on le poutre un peu, quand même. Hein. Ah, je l'ai eu ou pas, cette fois? Ah, je crois que j'ai loupé encore. Là! Là, je l'ai eu. Ouais, 3000 d'un coup. Ça, c'est beau, ça. Il va être dégoûté. Je sais pas où il va. Il tourne le dos, et puis il s'en va. Je sais pas pourquoi il fait ça. Allez, hors limite. Champ de destruction, champ de destruction. Allez, ça enchaîne. Ah, j'ai loupé. Non, j'ai eu la super attaque. On est en train de s'acharner comme des bœufs, là. Ah, j'ai feinté la grosse attaque, ça c'est cool. Attends, il en est où, là? Ouais, ok, super, il est reprotégé. Je crois que je vais me prendre un retourné, là, à un moment donné. Et voilà, là le retourné. Arte de la petite demoiselle sur lui. Non, j'ai volé. Bah c'est pas si dur là pour le moment. Voilà. Eh, on s'améliore hein, franchement. Ah ouais. Pour faire des vidéos sur YouTube. Tu jouerais sur quoi? Je sais que j'ai Octopath Travelers chez mon copain. Il est cool, hein, comme RPG. Et puis on joue souvent à Super Smash Bros et tout. Elle a gagné Étoiles Extrêmes. Ah, pour faire des lives, carrément. Ah oui, tu ferais boîtier d'acquisition sur un... Pardon, désolé. Mais il n'y a pas un module pour faire pareil sur la Switch. Il n'y a pas un truc Twitch ou YouTube là-dessus. Ils le font bien sur la Xbox One. Les arbres, les monstres, c'est sans doute l'air qui est à l'origine de tout ça. En voilà d'autres. Oh purée, là par contre, ok, ça va. Là, c'est la merde. Alors, c'est la fin, hein. Adieu, mes admiratrices du monde entier. Ah, je savais pas que sur la Switch, je le faisais pas. Je m'occuperai d'inscription sur ta pierre tombale. Ici repose le plus grand des neuneux. Tu es censé dire quelque chose comme « Tous ensemble, on peut y arriver !» C'est quoi ça? Tricheur? Qui est-ce? C'est le machin dragon sans doute? Duke. Ah, ok! Une minute! Qu'est-ce que c'est que cette épée? Montrez-moi ça! Comment avez-vous fait ça? On aurait dit que vous tailliez dans l'air, mais c'était impossible. En quoi cela vous intéresse-t-il? Eh bien, un objet comme celui-là pourrait empêcher les blastiens de devenir fous. On a vu ça sur un blastia, l'air était incontrôlable, on n'a rien pu faire. Ce n'était qu'une distorsion, c'est un phénomène naturel. Une distorsion? Merci beaucoup pour votre aide. N'approchez pas de l'air, Crane. Hein? Qu'est-ce que vous entendez par Air Crane, cet endroit? Les Air Crane sont les sources d'où provient l'air du monde entier. Des sources d'air? Qui êtes-vous? Ce n'est pas le genre d'endroit où on va se promener. Mais nous aurions pu mourir sans votre aide, merci. C'est clair, merci. Merci beaucoup. Ce pouvoir viendrait-il de la formule Rizomata? Je connais pas. Les choses que j'ai vues ici ne m'ont rien appris. Il faut que j'en voie d'autres. Eh, hey, ce type t'a pas dit qu'il y en avait dans le monde entier? Si, il l'a dit. Nous n'aurons rien de concret avant de les avoir trouvés et étudiés. Alors, j'imagine qu'il n'a plus rien à voir ici? Oui, retourne à Dungrest voir le Dun. Est-ce que je peux faire quelque chose? Comment je peux péter les...
Il m'empêche d'aller prendre les coffres. C'est pas juste. Alors, soit j'arrête là, soit j'arrête à Downgrest. Te dire si on arrête à la ville. Bon, puis on arrête à la ville. Et puis on reprendra ça la prochaine fois. Je suis venu d'où, je ne sais plus. Ah, peut-être pas par là. Ça passe pas par là, ok. Ah, toi je savais pas que les boîtiers d'acquisition ils marchaient ou non sur la Switch. Moi j'hésite parce que sur la PS3 aussi j'ai plein de jeux. Mais bon, c'est pas trop le budget en ce moment. C'est pas trop prévu dans le budget. Est-ce que je vais bien vers la sortie? Normalement oui. Bon, j'ai dit qu'il fallait que j'arrête de chercher des coffres. Ils sont sympas en retour, ils nous filent pas de monstres quasiment. J'ai dit quasiment. Oi, oi. Il a été plus facile que prévu le boss, c'est étonnant. Niveau plus de Ripidi. Faut juste que je retrouve le vrai chemin. Ah, peut-être une vidéo. Ouais. Des conditions d'air anormales perturbent le comportement des glaciers puis celui des monstres. Si c'est lié à la distorsion dont il parlait, cette forêt n'est peut-être pas le seul endroit touché. Tu barmanes souvent toute seule, hein. Ah quoi, une autre attaque de monstres. Mais que font-ils? Carole, baisse-toi! Ah oui, Zelda et Pokémon, bah ouais. Encore que le Pokémon que j'aimerais faire, ce serait le vrai qui va sortir là. Si où t'as des vrais combats où faut affaiblir les Pokémon ou tout, pas comme ceux de Pokémon Go. Les combats de Pokémon Go, ils sont un peu tristes en comparaison de ce qu'on a pu connaître dans les vrais Pokémon. Vous avez fait quelque chose? Fait quelque chose? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ces monstres féroces sont devenus doux comme des chatons et se sont enfuis. Qu'est-ce que vous avez fait? Yuri, c'est probablement parce que nous avons interrompu le flux d'air. Pourquoi t'as quel âge, Did? Les monstres se sont calmés parce que nous avons arrêté la fuite d'air. La fuite d'air? Eh bien, vous savez quelque chose? Eh bien, ma vieille amie Bellius avait l'habitude d'en parler. Alors Don et Bellius sont vraiment amis? Qui est Bellius? La duchesse qui dirige le Colisée de Nordopolica. Oh, ça va. Nordopolica. Et qu'en est-il de cette fuite d'air? C'est bien, on est tous à peu près dans la même... dans la même génération, donc on connaît les mêmes choses. Ça a été incroyable, de plus en plus de monstres arrivés, mais nous? Mon garçon, voilà le genre de choses qu'on garde pour soi. Allez, bim! Quoi? On ne fait pas de telles prouesses pour se faire remarquer, mais pour protéger sa vie et ses amis. Je suis désolée. Excusez-moi, je pourrais le voir un moment? Quoi? Oh, vous savez utiliser les artets de soins, merci. Tu feras gaffe, t'as du rouge sur la tronche. Ce n'est pas Raven que je vois là-bas? Cesse de te cacher. Notre âme ne vous cause pas d'ennui, au moins. Comment ça, des ennuis? C'est nous qui avons calmé les monstres, moi en particulier. Hein? Raven? Oh, j'ai du mal à son nom. Raven est membre de l'Altosk. Ça m'a l'air d'être le cas. Aïe. Oui, grand-père, arrête ça! La ferme, toi! Don Whitehorse. Qu'y a-t-il? Je sais que nous venons à peine de nous rencontrer, mais il faut que je vous parle de quelque chose. Vous êtes un gaillard drôlement costaud, n'est-ce pas? Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Yuri. Yuri Lowell. Yuri, hein? Alors vous devez être le chef ici. Mes excuses, grand-père, il y a quelqu'un à la maison? Il n'y a pas eu beaucoup de jeunes dans le coin ces derniers temps. Du coup, je m'ennuie. Je veux bien vous écouter, mais en échange, vous devrez faire quelque chose pour moi. Oh, après le maire dégueulasse d'allure, on a quelqu'un d'autre, là. Bon sang, les mauvaises habitudes du vieux ressortent toujours au bon moment. De quoi est-ce que tu parles? Dès qu'il tombe sur quelqu'un qui a un peu de courage, il ne peut pas s'empêcher de le tester. De tester? Mais tester quoi? Sa force, bien sûr. Exactement, maintenant, approcher et aider un vieil homme à s'amuser un peu. Non, ce sera sans moi. Hein? Il a filé.
Très bien. La possibilité d'affronter un chef de guilde ne se présente pas tous les jours. Ah, je vais me faire poutrer. Ah, bien dit, voyez un peu ce que vous avez dans le ventre. Je vais être toute seule, je vais me faire poutrer. Oh. C'est nul. J'aurais dû... Quoi? 142 000? Non, mais je peux pas le tuer, là, en vrai. Il a 142 000, je lui fais 1. Bah ouais, logique, quoi, enfin... C'était évident, hein. Évident. Je ne fais que m'échauffer. Bien, ça suffit. Après tout, si on continue comme ça, on va vraiment finir par se battre. Je ne m'étais pas amusé comme ça depuis longtemps. Bah, le combat, il n'a pas duré. Il n'a pas du tout duré, le machin. Je ne m'étais pas amusé comme ça. Bien, maintenant, je vous écoute. Don, pardon de vous interrompre. Oui, là, c'était scripté, c'est clair. Ah, je vois. Très bien, camarade. Il faut qu'on y aille. Attendez, il y a mon chien qui veut squatter sur moi. Je peux plus voir le chat. Oh, casse-bonbon. Désolé, mais il vient de se passer quelque chose. Nous devons rentrer à Dangrest. Bah oui, moi aussi, il faut que je rentre, faut que j'aille dormir. Si vous passez par l'Union, je vous recevrai dès que j'en aurai l'occasion. J'espère que ça vous va. Si j'ai votre parole, ça me va. L'idée de me parler ne vous rend pas nerveux. Vous seriez tous de bonnes recrues pour notre guilde. Alors moi aussi, je recrute sur ma guilde. Pourtant, j'ai vraiment tout donné pendant ce combat. Une guilde. Oh, pardon, je baille. Une guilde, hein. On va en fonder une, pas vrai? Nous verrons. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Vous avez finalement eu un aperçu de mon excellente réputation. Je ne peux pas dire qu'elle m'est impressionnée, ta réputation. Toujours prêt à critiquer. Bon, j'aimerais retourner à Dangrest pour rencontrer le Don et continuer à chercher Barbos. Rita? Une fois que Yuri en aura terminé, nous devrions aller faire notre rapport. Elle dort. Rita? Tu disais quoi? Une fois que Yuri en aura terminé, nous devrions aller faire notre rapport à Alexei. Il y a un problème? Non, c'est rien. Allez, rentre-toi. L'homme mystérieux dans la forêt. Gigi ici. Allez, go. On va à la ville. Puis il me reprendra pour la prochaine fois. Ah, c'est quoi cette bête-là? Je la connais pas. C'est pour le bestiaire. C'est quoi ce machin? Trompetteur. J'ai un petit problème. Je suis à 1 de vie. Oh! Arte explosif entaille rapidement et somptueusement, comme une étoile filante. Eh bah purée, pas mal. Allez, vas-y, 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 donne ma vie, donne ma vie. Voilà, c'est bon. Baston! Allez, toi, bim. J'ai pas d'arté explosif, moi. Je suis triste. Ça se trouve, je l'ai. Ouais, loup divin. Je vais le mettre là. Ah, comment on l'utilise? Bon, bah tant pis. Je sais pas. Je ne sais point. Allez, bim, retournez. Allez, t'as bien avancé ce soir, c'est clair. C'est parti pour la ville dont je me souviens plus le nom. Du nom. C'est pour ça que j'ai du mal, enfin je sais pas, avec ces les villes ici. Don White Horse, ne. Union no top Harudake no koto wa atta na. Suge hakuryoku datta yo. Kedo, hanashi ga tsujiru hito de watashi wa ansin shimashita. Allez, bim, mange ça. Un petit combat et c'est fini. Yo,
Il m'a bloqué la plante. Enfin, elle m'a bloqué la plante, saloperie. Et lui, il m'a annulé mon attaque. Ça va, tranquille, quoi. Ils ont envie de m'énerver. Je suis empoisonné, c'est dégueulasse. Si peau juste. Ah bah non, je suis plus. C'est pas mal tout ça. Allez. Le repère des guildes, Dungrest. Alors du coup, je sais pas trop à combien de temps ça va nous mener, alors bah, je vais aller enregistrer maintenant. À l'auberge, que je dise pas taverne parce que j'arrête pas de confondre. Et puis on va s'arrêter là-dessus. Parce que hein, faut bien se reposer un peu. Mais bon, comme d'habitude, on reprendra dimanche. Comme d'habitude. J'espère que ça vous a plu. Bon, on a fait 2 heures quand même, c'est pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, bah dormir, ça me permet de tenir une journée complète sans faillir, quoi. Parce qu'autant dire que la semaine dernière, elle était un peu rude. Et j'en pouvais plus le vendredi, laisse tomber. Laisse tomber. Donc comme là, en plus, je dois remplacer un collègue qui est en congé. Et je dois aller faire un point à 8h à l'atelier, mais voilà, voilà, quoi. Je dois me lever vachement plus tôt que prévu. Vachement plus tôt que d'habitude. Ah bah, merci de m'accompagner à chaque fois. Franchement, je ferais rien sans vous. C'est cool. Ah, merci d'être venu et puis bah merci de... Ah, il y a une scénette. <rire> J'ai vu ton message, Bench. Eh ben non, désolé. Pourquoi ça te fait rire, dit bye, t'avais vu toi aussi. Eh ben non, en fait, les soirées cam horreur, horreur cam aussi, on peut les appeler ça comme ça, eh ben c'est prévu que pour les passages de followers. Donc là, ce serait le... au 100 follow. Ouais. En fait, c'est la première fois qu'il y a eu cette soirée-là, parce que c'était pour fêter les 50 followers. Oh, vous êtes déçus, hein. Donc faut que j'arrive à choper 100 followers si vous voulez revoir une soirée de ce genre. Donc non, jeudi à mon avis c'est mort. Pour jeudi je pense pas. Et puis je suis même pas sûre qu'on aurait le temps de s'organiser au final. Bah ouais, désolé. Déjà je supporte pas de voir ma tronche en plus sur un jeu d'horreur, c'est encore pire. J'ai pour le level up, Did. Je me posais une question. Après Monster Hunter World, dans longtemps, hein, parce que le temps de le faire et tout, Fallout 4, ça vous intéresserait, mais j'ai Skyrim aussi à faire, donc je crois que ça va être Skyrim qui va remplacer Monster Hunter World. Mais Fallout 4, j'ai vu mon copain y jouer là ce week-end, franchement, il y a des idées vraiment sympas, hein. Les colonies et tout, je sais pas si vous y avez joué, mais... Et il va nous le refaire en boucle. Ah. Ça l'intérêt. ドンとやり合った若いもんは大抵暴れの<笑>ほとんどをボロボロにされて、しばらく起き上がれなくなるのにさ。僕の乱暴者の話だ、それは。いやいや、本当。じいさんの機嫌が良くて助かったね。若い頃には一人でギザギザコーラの魔物、トータスをまとめて100匹。それ、ジェスパセラセネンテピエジュウォレ。それに、ダングレストの汁とブラスティア。あれ、倒れそうになったのを鎖引っ張って一人で直したって伝説もあるよ。それは、化け物だな。でもまあ、いつか勝てるさ、きっと。まだ勝つつもりでいるよ。<笑><笑>
Ce jeu s'est fait poutrer comme une vieille merde. Bah en fait je pensais Skyrim parce que l'intérêt de ce jeu là c'est que t'as des vrais choix dans le jeu. C'est à dire que vous pourrez vraiment participer. C'est qu'on va se retrouver face à des situations où je vais pouvoir vous dire bah écoutez vous voulez faire quoi. Et là là c'est le drame hein. Ça peut partir dans tous les sens. C'est ça qui est cool. Je me dirais que ça pourrait être sympa. Bon allez, je vais vous laisser. Il faut que j'aille mettre un statut VIP à Bench. Mais par contre, je ferai pas l'émoticône ce soir pour les abonnés. Ouais, parce que maintenant, je suis affiliée, en fait. J'ai cette chance-là. Je suis affiliée, je peux avoir les cheers. Ou les bits, je sais plus. Non, c'est les cheers, ouais. Je peux avoir les abonnés, je peux avoir les dons, je crois. Il y a peu de choix dans le 4. Oh, tu vois, je sais pas. Ouais. Et du coup, pour les abonnés, je peux leur proposer un émoticône. Émoticône que je dois créer moi-même, en fait. Donc, on sait déjà lequel je veux faire. Hein. On en a déjà parlé plusieurs fois. Il faut juste que je prenne le temps de le faire. Bah si c'est bon pour vous, ouais, on va se dire bonne nuit. Hein. Puis on se retrouve jeudi pour Monster Hunter World et Jurassic World, tous les trucs en World. Ouais, tu vois l'étoile. Mais ça c'est pour les rangs. Ça c'est pour les rangs d'abonnés. Mais tu, quand je crois que t'es abonné, t'as un emoticône, le Peggy Fistine. C'est abusé. Eh, ça m'a fait bizarre d'ailleurs, faut que je vous raconte vite fait une petite anecdote. Le soir, le lundi et cette semaine là, j'ai déjà raconté, je crois, à Ryu, je crois. Mais Bench, tu vas halluciner. Et donc, dimanche dernier, dans la soirée, il y a eu des choses de marquées sur le chat, du genre dans l'ordre, la fistillière, ensuite il y avait la chapelle fistine, et pour finir par Fistiland. Et donc, c'était notre délire quoi, on a bien rigolé avec ça. Et donc je suis au travail le lundi, et puis mon oreille glisse un petit peu sur la conversation de la table d'à côté. Et j'entends fistinière, je dis, tiens, c'est marrant, il parle de la même chose que nous hier soir. Et puis il y en a un de la table qui sort aussi, ah oui, et puis il a chapé le fistine. Je fais, ok, il y a deux éléments sur trois dont on a parlé également, c'est peut-être des choses qui vont à la suite, hein, ça arrive. Et là il y en a un troisième qui fait, eh ouais, tu connais Fistiland ? Oh ! Et là, je me suis dit, oulala, je fais un bond dans le temps, là, c'est quoi, c'est quoi ces conneries ? Ils ont regardé le live ou quoi ? Est-ce que c'est l'un d'entre vous ? Mais non, mais c'est fou ! Je te jure, c'est complètement fou. J'étais en train d'halluciner, en fait. J'étais en train de manger mon petit plateau, machin, et puis j'étais en train de bugger. Et ça aurait été un peu bizarre d'aller le voir en train de dire « Oui, vous avez regardé un live, c'est bizarre, on parlait de la même chose exactement. » Donc ouais, c'était un peu flippant sur le coup, mais bon. Bon allez, je sauvegarde et cette fois-ci je quitte sur cette petite anecdote des familles, quoi. Ah, trop cool! Premier abonnement, Did. Bah merci beaucoup. Ah, ça fait trop plaisir. Bah, va falloir que je crée un salon abonné, alors que je crée des émoticônes et des rangs. Je vais regarder ce que je vais faire. Non, mais c'était abusé, mais c'était quand même étonnant. Ah bah, tu vois, t'as une petite étoile. Une petite étoile. Bon bah, GG. Mon premier abo. Franchement, ça fait plaisir. Ouais, j'ai du taf et tout pour que. Pour vous remercier hein, de votre présence tous les soirs à chaque fois que je stream et tout. Ouais. Mais ça va être drôle. Et puis c'est marrant de construire des émoticônes et des choses ensemble, tu vois. Moi je kifferais trop aussi au niveau des rangs abonnés de pouvoir mettre des têtes de chat et plus il y a un rang abonné plus supérieur et plus t'as des têtes de chat énervées, tu sais, genre qui devient surpuissant le chat. Parce que je vous appelle bonjour les petits chats, tu sais, je vous appelle les petits chats. Ce serait drôle d'avoir ça. Des têtes de chat plus ou moins puissantes. Franchement, ça, ce serait stylé. Le problème, c'est que je suis pas une artiste, en fait. Je suis une vraie bille. Je suis une vraie bille au niveau graphisme, entre guillemets, tu vois. Et du coup, créer ce genre de choses comme ma bannière, je suis pas capable de la faire. Mais ouais, un chat super saiyan, franchement, ce serait trop cool.
Bah, je peux m'inspirer de ça au pire. Hein. Prends une tête de chat et puis tu mets les couleurs, les mêmes couronnes autour que Dragon Ball. Hein. Franchement, ce serait pas mal. J'aimerais bien. Non, mais franchement, ça me fait super plaisir, dit Jock. Ça me touche beaucoup que tu sois mon premier abonné. Ça fait vraiment plaisir. Donc, je vais essayer de vous préparer tout ça, là, ce serait cool. Et puis, on se retrouve avec plaisir jeudi prochain, alors, à 9h, sur Monster Hunter World, qui va pixeliser un petit peu plus que Tales of, forcément. Mais bon, c'est quand même marrant de se voir poutrer du monstre. Oh, c'est cool, franchement, ça fait. C'est vraiment du bien. Bon, allez, je quitte là-dessus, sur une note super positive. Et puis, je vous dis bonne nuit à tous, et on se revoit jeudi. Ciao!